Mes chers collègues, je vous invite à prendre place et je vais procéder à l'appel nominal. Avant de désigner un secrétaire de séance, un secrétaire de séance adjoint. Philippe Bourdageau. Présent. Christina Béêtre. Présente. Thibaut Vitry. Présent. Françoise Nolot. Présente. Mike Budaxi. Présent. Pascal Chen. Présent. Cédric Damien. Présent. Hélène Coupé. Présent. Pascal Duret. Présent. Christian Cambon. Donne pouvoir à Igor Semo. Alors, on a une pensée pour Christian Cambon qui est en mission au Maroc aujourd'hui et demain. Et vous savez combien, dans la période actuelle, il faut entretenir les relations amicales et combien le jeu diplomatique est intense. Dominique Durosel. Donne pouvoir à Magdalena Amoretti. Robert Archambault. Donne pouvoir à Pascal Duret. On lui souhaite bon rétablissement. Robert Amouzouvi. Donne pouvoir à Cédric Damien. Pareil. Magdalena Amoretti. Pascal Fresne. Marie-Hélène Azoulay. Elle est là. Alain Rodriguez. Claire Delpech-Drian. Christine Beauchemin-Flo. Merci. Jean-Marc Taïeb. Afida Zaidi. Ismaël Chitou. Donne pouvoir à Gilba. Yves Sarfati. Gilba dit Trotti. Présent. Sébastien Timpano. Présent. Natacha Morali. Présent. Patrick Baruel va arriver, on va le compter présent. Patrick Grange. Présent. Katia Lesso. Donne pouvoir à Patrick Grange. Claude Nicolas. Présent. Jean Loiseau. Présent. Tiffany Farley. Je vous en remercie. Donc, je désigne un secrétaire de séance adjoint, un secrétaire de séance Tina Béêtre, secrétaire de séance adjoint. Si l'un d'entre vous, Patrick Grange, se propose, il en est ainsi acté. Donc, nous allons aborder le dossier de l'ordre du jour du conseil municipal. Et après, je suis saisi de questions orales. Nous y reviendrons. Alors, mes chers collègues, le premier point de l'ordre du jour concerne l'approbation du lancement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence de tourisme 6-18 rue du Maréchal Leclerc. Donc, tout d'abord, un rappel historique. En 2006, la ville de Saint-Maurice a délivré un permis de construire portant sur la réalisation d'une résidence de tourisme qui a fait l'objet d'un permis de construire modificatif en 2009. Des investisseurs privés en ont confié la gestion au groupe Apart City, opérateur spécialisé dans les résidences de tourisme et bien connu. Très rapidement, malgré les atouts de cette résidence, le modèle économique n'a pas permis à Apart City de remplir ses obligations contractuelle envers les propriétaires, et l'exploitant, donc Apart City, a, sans l'accord de la commune, détourné progressivement la vocation touristique de cette résidence en un hébergement hôtelier d'urgence, donc contrairement aux indications du plan local d'urbanisme, et ça a duré jusqu'en 2018. Les copropriétaires ont engagé d'ailleurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, des procédures contentieuses pour non-paiement des loyers à l'encontre de cet exploitant. Face au délai des procédures contentieuses commerciales, les copropriétaires ont fait part à la ville de Saint-Maurice de leur intention de céder leurs biens à des promoteurs privés. Au vu de l'importance d'une telle mutation qui porte sur 220 logements, les candidats promoteurs qui ont été retenus ont été auditionnés par la ville et se sont avérés peu convaincants. Leur proposition, d'ailleurs, ne respectait pas le plan local d'urbanisme. Par ailleurs, la ville doit veiller au respect de la législation sur les logements sociaux qui impose un taux de logements sociaux minimal de 25%, ce que nous n'avons pas encore atteint. On est à 24,11%. Donc la ville a décidé de transformer cette résidence de tourisme pour un motif d'intérêt général en la réhabilitant en logements sociaux, ce qui répond à la demande de l'État. Alors,
Par délibération du conseil municipal, c'est important de rappeler cette chronologie, le 20 février 2019, nous avons approuvé une convention de maîtrise foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Puis, par délibération du 4 mars 2021, approbation de l'avenant à cette convention, et la ville de Saint-Maurice a décidé d'associer à cette opération donc l'établissement public foncier d'Île-de-France afin qu'il assure le portage foncier sur cet ensemble immobilier qui est au cœur du quartier du Pont et qui est une vraie opportunité pour diversifier l'offre de logement communal. Nous souhaitons en effet faire une résidence intergénérationnelle. Et les services de l'État ont apporté leur soutien à cette démarche. Du coup, récemment, le conseil municipal, lors de sa séance du 1er octobre 2021, a défini les orientations programmatiques pour la transformation de cette résidence de tourisme comme suit. Création de logements sociaux pour répondre à la demande des étudiants et d'autre part des jeunes actifs. Deuxièmement, des logements sociaux inclusifs destinés aux personnes âgées pour leur permettre de rester à Saint-Maurice et à domicile le plus longtemps possible. Et troisièmement, des logements destinés à être vendus à des ménages aux revenus modestes selon le dispositif du bail réel solidaire, ce qu'on appelle aussi l'accession sociale à la propriété. Au vu de cette délibération, dont j'ai désigné, après consultation de 4 bailleurs sociaux, le groupe Batigère qui a proposé un programme de 178 logements, donc, dont une partie en accession sociale. Dans la continuité de cette désignation, l'EPFIF a formalisé des offres d'achat fin novembre auprès de tous les copropriétaires, offres qui sont restées sans réponse. En effet, sans en informer la ville, il y a eu engagement des copropriétaires auprès d'un nouvel exploitant qui s'appelle City Residence. Un exploitant qui d'ailleurs était l'exploitant de la résidence de tourisme de Bry-sur-Marne, avec laquelle il y a un certain nombre d'analogies, je vais y revenir. Donc, je tiens à dire que par cette délibération, la ville de Saint-Maurice souhaite poursuivre son projet de transformation de cette résidence de tourisme afin de diversifier son offre locative sociale sur son territoire. Et donc, il convient d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et l'objet de cette délibération, c'est d'approuver l'engagement de cette procédure et de m'autoriser à engager toutes les démarches nécessaires. Je complète cette présentation sur 2 points. D'une part, en disant que la ville est attentive aux intérêts des parties prenantes, à savoir des copropriétaires et du nouveau, la nouvelle société qui est apparue, à savoir le groupe Pierre Val, en l'occurrence. Et que, en conséquence, la ville avait retenu, en s'agissant des copropriétaires, il faut le savoir, parmi les 4 offres, propositions financières qui avaient été faites par des bailleurs sociaux, la ville avait retenu l'offre financièrement la plus avantageuse pour les copropriétaires. Donc on est attentif à leurs préoccupations. En revanche, ce modèle de résidence de tourisme n'est pas pertinent dans la mesure où les professionnels du secteur ont indiqué, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de repreneur de la part des concurrents d'Apart City, cette résidence est beaucoup trop importante, avec 220 logements, et qu'en conséquence, ça conduirait à des taux d'occupation annoncés qui ne sont pas réalistes, et à une logique financière qui était celle qu'a vécue Apart City, à savoir d'un côté une obligation de verser des loyers, et en face une insuffisance de rentrée liée à l'activité de résidence de tourisme, ce qui a conduit à Apart City progressivement à remplacer ses sources de revenus qui manquaient par le recours donc à la clientèle dite sociale. Je précise, c'est important, que les personnes qui ont à ce titre occupé la résidence de Saint-Maurice, maintenant qu'elle a, elle ne l'est plus occupée, ces personnes ont été relogées à Fresnes dans un immeuble neuf qui
est tout à fait adapté à l'accueil, à l'hébergement et à l'accompagnement de ces populations. Ce n'est pas la vocation de la résidence de tourisme à Saint-Maurice. Voilà, donc nous considérons que c'est un projet d'intérêt, d'utilité publique, d'intérêt général, et que donc il est temps de lancer cette procédure de déclaration d'utilité publique. Ça prendra du temps, le dialogue sera maintenu, évidemment, je le souhaite, avec les parties prenantes pour essayer de trouver les solutions les plus pertinentes, mais sans déroger à notre orientation générale, à notre volonté, qui est une volonté politique, soutenue par les pouvoirs publics, donc de faire de cette résidence une résidence intergénérationnelle qui répondra à l'attente de nombreux Mauriciens qui sont en recherche de logements à prix abordable. Voilà, je pense avoir été complet et je vous donne la parole pour savoir s'il y a des demandes d'intervention sur ce premier point de l'ordre du jour. Monsieur Grange. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors oui, c'est un sujet complexe et sensible, comme vous les avez pu le dire. Et au travers de cette DUP, il est en effet important et collectivement en fait que l'ensemble du conseil municipal se positionne en fait favorablement pour cette DUP, tout simplement pour affirmer qu'une ville en fait à des fins de cohésion de son parc d'habitation puisse affirmer qu'elle a en fait la pleine affectation foncière. Alors, c'est vrai qu'on rentre dans une démarche qui va être douloureuse et complexe, parce que pour avoir fait une petite veille sur ce genre de situation, ça peut prendre des années. Donc, en fait, espérons que cette résidence ne se dégrade pas en fait entre temps. Ce qui est pas évident en fait à comprendre, c'est comment se fait-il qu'avec le fait que vous aviez reçu Pierre Val, le fait que ce dernier ne renonce pas tout de suite, alors qu'il sait qu'il y a en fait cette future DUP et que en fait il aura de facto une absence de visibilité sur le temps long. Parce que j'ose imaginer que s'il fait des travaux à plusieurs millions, c'est pour avoir en fait des retours financiers. Donc si ça s'arrête au bout de quelques années, 2-3 ans, je me mets à sa place, je ne comprends pas un peu la logique financière, sauf à ce qu'il y ait d'autres démarches de sa part, mais là on peut pas en fait anticiper sur ce point. Donc une première phase administrative, une deuxième phase judiciaire. Après, ça suppose qu'en fait, comme vous l'avez dit, que la ville soit très claire sur ce qu'elle compte faire pour matérialiser cet intérêt général de l'opération. Et c'est là où, selon nous, en fait, ça mériterait, je pense, pour qu'on puisse gagner cette partie, peut-être préciser davantage, notamment en fait pour les Mauriciens, puisqu'entre accession à la propriété et BPRS, en fait, c'est deux sujets qui sont vraiment très très différents, avec des mécanismes de financement qui divergent aussi, en sachant que les prêts en fait à l'accessibilité et à la propriété, normalement, c'est sur du neuf. Alors je ne sais pas si ça peut être utilisé en fait dans le cadre de cette opération. Après, c'est facile à dire de dire en fait il dit caca faux à con, mais est-ce que en gros la conclusion qu'on pourrait tirer collectivement sur ce genre d'opération, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller en fait plus vite? En sachant que est-ce que le temps n'a pas joué contre la ville, en sachant qu'il y avait quand même quelques éléments déclencheurs, notamment, comme vous l'avez dit, un détournement en fait de l'affectation touristique de l'immeuble,
les FIP qui avaient été positionnées hein, par la mairie dès 2019. Donc, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, avec la convention de maîtrise foncière, et puis, comme vous l'avez rappelé de mémoire, c'était l'avenant de cette convention de mars 2021. Est-ce que, à ce moment-là, concomitamment, il n'y aurait pas pu avoir en fait cette DUP pour gagner du temps et éviter d'être dans cette situation qui, j'espère, sera favorable pour la ville. Je vous remercie. Merci. Je vais essayer de donner des éléments les plus précis possibles, parce que toutes ces questions sont pertinentes. Et puis merci aussi de cette position d'approbation générale. S'agissant des travaux, notre compréhension, et je ne pense pas me tromper, c'est que ces travaux sont financés par les copropriétaires. Pas par le groupe qui a obtenu le bail pour son exploitation. Financé comment ? Par une réduction des loyers qui sont dus. C'est comme ça que ça nous a été présenté, je n'ai pas de raison d'en douter. Donc ce sont les copropriétaires qui financent les travaux annoncés concernant aussi bien les appartements qui malheureusement sont bien dégradés, de ce que j'en ai vu, mais aussi les parties communes. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ce groupe s'est engagé et maintenant est lié par ses contrats? C'est qu'il n'a pas prévu dans le bail d'exploitation, dans le contrat de bail, de clause de protection. En général, dans ce genre de contrat, on met sous réserve l'autorisation, des validations, etc. Là, il n'y a aucune clause de protection. Donc ce groupe, de notre compréhension, Pierre Val, est engagé juridiquement et doit aux copropriétaires verser ses loyers. Encore une anomalie. Troisièmement, s'agissant des délais, c'est normal de poser la question. Nous, le schéma... D'abord, je tiens à dire que les avocats représentant les copropriétaires, ainsi qu'une délégation de copropriétaires que j'avais reçue en mairie, étaient informés depuis des mois des démarches de la ville. Ils savaient qu'on avait mandaté les PFIF, ils étaient en contact avec les PFIF, dont la vocation est le portage foncier. Ils étaient en contact avec les PFIF, qui travaillaient à la demande de la ville. C'est le seul mode d'intervention possible de les PFIF. Il ne se missionne pas lui-même. Donc, ils étaient informés de ces démarches, de recours à les PFIF, de portage foncier et de programmation et de sélection d'un bailleur social. Alors, pourquoi le schéma a été bouleversé, il faut le reconnaître. C'est qu'initialement, ce qui était prévu, c'est que, et c'est ce qu'a fait les FIF a écrit aux copropriétaires en novembre 2021 pour leur dire « nous vous proposons cette offre de rachat avec les FIF payant enfin, un montant au mètre carré plus la TVA et étant capable de payer à 30 jours aux copropriétaires ». 30 jours, il y avait un virement. Ça, c'est quand même un levier que dont la ville ne dispose pas. Donc, il n'y a pas eu de réponse. Mais le schéma, c'était quoi? C'était de faire ces offres, espérer, parce que ça aurait dû être comme ça que ça se passe, qu'un certain pourcentage de copropriétaires acceptent la proposition des FIF, un certain pourcentage, et la DUP aurait été déclenchée après pour le reste, puisqu'il faut bien avoir la maîtrise de l'ensemble de l'immeuble pour mener un projet. Voilà. Et ce qui a été bouleversé, c'est à l'initiative des avocats qui n'ont peut-être pas éclairé complètement les copropriétaires, c'est mon ressenti, on verra bien, eh bien, c'est qu'un autre acteur est intervenu et nous a présenté l'existence d'un bail d'exploitation signé avec quasiment tous les copropriétaires au moment ou les FIF, enfin, ou même après d'ailleurs, que les FIF aient écrit. Voilà. Après ou en même temps, ça j'en sais rien. En tout cas, le résultat est là. Donc c'est pour ça que le schéma initial n'ayant pu être réalisé, maintenant on fait une DUP sur l'ensemble. Voilà, et notre détermination est grande et merci de ce soutien. Claude Nicolas, en espérant avoir bien répondu. Où est ton micro, Claude? C'est important de... Justifier le vote du groupe Saint-Maurice en commun. Alors nous voterons effectivement pour cette délibération qui fait suite donc à celle du 1er octobre qui définissait
les orientations programmatiques pour la transformation de la résidence de tourisme que nous avions approuvées, à l'exception de Mathilde Cadour qui a voté contre. J'y reviendrai. Sur le principe, c'est une bonne décision qui mettra un terme à une opération immobilière qui n'a jamais marché. Enfin, en tous les cas, c'est vos propos en commission. Et qui avait même d'ailleurs des effets pervers d'une certaine manière. Le groupe d'opposition, je le rappelle, mais c'est pour ça que sur le temps, quand on parle de temps finalement perdu, on peut considérer qu'on a perdu du temps depuis finalement plusieurs années, puisque le groupe d'opposition s'associait pour agir à l'époque, l'avait contesté en 2006. On avait effectivement considéré que c'était une opération qui financiarisait la ZAC et que ça ne correspondait pas à un projet urbain, et on valorisait à ce titre notamment le besoin de logements sociaux. Alors on revient tout simplement à ce qu'elle proposait à l'époque, l'opposition, la minorité. Aujourd'hui, donc, la décision d'exproprier engage la collectivité vers la conception donc, d'un programme de logements sociaux. Et alors je voudrais revenir quand même sur le vote de Mathilde. Qui soulevait une vraie question. Bon, elle a voté contre, nous on a voté pour, mais qui soulevait une vraie question donc sur la programmation, puisque était absente le logement pour les familles. C'est-à-dire que on a prévu effectivement des logements étudiants, des logements pour jeunes actifs, des logements pour l'intergénérationnel. Et donc le logement pour les familles ne faisait pas partie de la programmation, et donc du fait elle a considéré que c'était une mauvaise décision. Nous on a considéré quand même que et on vote aujourd'hui y compris pour, parce qu'on considère que c'est même courageux d'engager une procédure d'expropriation. Donc nous pensons effectivement que sur les 178 logements prévus par Batigère, un contingent pourrait être prévu pour elle, pour les familles nombreuses. Il viendrait compléter donc celui prévu pour les jeunes actifs, qui favoriserait donc le parcours résidentiel. Par ailleurs, se posait le problème de l'équilibre donc de l'opération pour accueillir les familles à faible revenu. Mais là, vous avez rappelé que la DRIL, en fait, prévoit des quotas avec un pourcentage minimum de PLAI et un maximum de PLS. Donc on y veillera. Donc il y a cette double critique, si je puis dire, à la fois des logements pour les familles qui avaient justifié le vote contre de Mathilde, et en même temps une quotité de logements sociaux permettant effectivement d'offrir des logements à toutes les catégories de revenus. Voilà. Mais on votera pour cette décision. Alors, merci là aussi sur la position de fond et l'approbation de ces délibérations. Je suis heureux de voir que le conseil municipal s'apprête à être unanime dans sa diversité. C'est vraiment important. Alors je vais répondre quand même juste sur ce point concernant la position qu'avait prise Mathilde, et je trouve remarquable que tu fasses l'effort de la rappeler, c'est très respectueux. Je pense que c'était vraiment un malentendu ou une incompréhension, puisque le bail réel solidaire, c'est justement destiné aux familles. Simplement, quand j'avais évoqué l'accession sociale à la propriété, c'est peut-être ce terme-là qui l'avait gêné, parce que ces personnes sont appelées à devenir propriétaires. C'est une façon de les installer dans la durée. Et le nombre de BRS prévus sur les 178 logements était de 56. Donc 56 logements pour les familles, ce qui nécessitera d'ailleurs des travaux, puisque là, autant on voit que certains logements actuels sont adaptés, sous réserve de quelques modifications peut-être, à des étudiants, à des jeunes actifs à faible revenu. C'est très important, cette population, on la cite peu. J'étais encore à Pôle emploi, Maison Alfort, hier. On nous a expliqué les nouveaux outils destinés aux jeunes, ce qu'on appelle le contrat d'engagement. Et on a pas mal parlé de cette situation des jeunes actifs qui ont des revenus assez bas et qui n'arrivent pas à se loger dans nos communes. Donc moi, je trouve que c'est une grande avancée de leur proposer, j'espère, des logements dans quelques années.
Donc 56 prévus de logements familiaux sur 178, je pense que c'était bien. Et je pense qu'en dialoguant avec Mathilde Cadour, qui n'est plus au Conseil, on aurait pu préciser des choses et se comprendre. Donc pour terminer, moi je voudrais juste, puisque j'avais dit que je l'évoquerais, évoquer l'exemple de Bry-sur-Marne. C'est intéressant car j'échange avec le maire de Bry-sur-Marne. La ville de Bry-sur-Marne a également adopté une DUP sur une résidence de tourisme qui était gérée par le même groupe, donc le groupe Pierre Val, qui lui-même ne réalise pas, de ma compréhension, de résidence, mais qui reprend des résidences, on va dire, en difficulté. Et ce groupe, s'agissant d'une résidence beaucoup plus petite que celle de Saint-Maurice, avait fait appel à de la clientèle sociale pour le remplir et satisfaire ses obligations vis-à-vis des copropriétaires. Et je m'adresse un peu aux copropriétaires, ce n'est pas leur intérêt d'avoir des populations qui occupent comme ça des appartements, parce que voilà, ils étaient faits en tant que résidence de tourisme pour des gens qui sont absents dans la journée, qui sont que de passage. Et malheureusement, on sait qu'à Saint-Maurice, la résidence est franchement très dégradée et les copropriétaires n'en avaient pas été informés, ce qui n'est pas normal. Donc, la DUP, c'est le mécanisme approprié au projet et au prix du foncier tel qu'on peut le concevoir. Donc, je vais mettre aux voix ce lancement de la déclaration d'utilité publique. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Deuxième point de l'ordre du jour, reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021. Donc, nous rentrons dans une série de délibérations à caractère financier, les plus importantes étant le vote des taux d'imposition et le vote du budget. Je cède la parole à Claire Delpech-Drian. Bonsoir, merci beaucoup Monsieur le maire. Alors pour cette second point de l'ordre du jour, il s'agit ici de la reprise anticipée du résultat qui a pour objectif d'intégrer au budget les résultats prévisionnels de l'exercice passé 2021. Donc le montant, on est sur un volume de recettes de fonctionnement de 24,5 millions d'euros et le montant que l'on réintègre, donc la reprise anticipée de ce résultat, est à hauteur de 5,4 millions d'euros. C'est ce montant qui est proposé d'inscrire au budget de fonctionnement du budget primitif. Pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, le point suivant, c'est... Donc là, on était sur le budget principal. Et ensuite, il y a le budget annexe. Tout à fait. On réalise le même exercice sur le budget annexe du marché Émile Bertrand. Et là, il s'agit d'intégrer les résultats pour les années 2020 et 2021 sur le budget 2022, qui sont des résultats de moins 42 480 euros dans ce budget annexe. Alors, je dois mettre aux voix aussi, je pense, budget annexe. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Il n'y en a pas. Pas d'opposition ? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et le budget annexe du LEG, Serge K. Alors, quelques opérations sur ce budget annexe ont été enregistrées en recettes, correspondant à un reliquat de succession. Le montant total des recettes s'élève à 66,84 euros. L'intégralité de ce résultat est inscrite en report du budget. Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir approuver la reprise anticipée de ces résultats au budget primitif principal et annexe de la ville. Merci. Pas d'observation, pas d'opposition. Je mets aux voix. Pas d'abstention adoptée à l'unanimité. Point 3, vote des taux d'impôt année 2022. Très bien. Alors, c'est effectivement un des acquis importants des collectivités locales, la possibilité de voter les taux chaque année, les taux d'imposition. Conformément au Code général des collectivités locales, les bases de fiscalité de nos impôts locaux sont chaque année revalorisées, actualisées en fonction d'un indice qui est l'indice des prix à la consommation harmonisée, l'IPCH, qui cette année est de plus 0,4%.
Dans ce contexte, au regard des impacts économiques que va avoir cette évolution sur la cotisation des contribuables, il est proposé aux membres du Conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 2002 et de voter les taux tels qis figurent dans le tableau ci-après, 31,20% pour le taux concernant la taxe foncière et 38,3% concernant la taxe sur le foncier non bâti. Je rappelle que le taux concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties intègre depuis la suppression de la taxe d'habitation la partie du taux départemental que nous avons, comme l'ensemble des communes françaises, récupéré suite à la suppression de la taxe d'habitation. Très bien. Délibération importante. Est-ce qu'il y a des observations, Monsieur Grange? Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est pour être en cohérence avec en fait une tribune dédiée que j'avais fait en fait sur le sujet. Je crois que ça devait être au mois de février. Oui, donc en fait, comme Madame Delpech l'a souligné, en fait le maintien des taux en fait peut être vu en fait à voilà sur au niveau de deux facettes en fait. La première qui est de dire eh bien en fait c'est dans la continuité en fait et la gestion équilibrée des finances sur le temps long. Sur le temps long. Et par contre aussi l'autre facette, c'est justement en fait la construction de ces taux, puisque en fait on a quand même, on peut le dire, une inflation en fait importante liée en fait aux bases 3,4. Et malheureusement, je crains qu'on aille vers des exercices de plus en plus compliqués et qu'on va atteindre, même avec des taux identiques, une pression fiscale telle que, comme dit l'adage, trop d'impôts tue l'impôt, et il va y avoir en fait un vrai questionnement aujourd'hui, mais ça dépasse Saint-Maurice aussi, sur l'intérêt de beaucoup de Français d'être propriétaires. Et surtout propriétaires dans des zones, j'allais dire, avec une densité, une demande forte, et qui peut entraîner en fait une gentrification accélérée, qui sur le long terme en fait n'est quand même pas un très bon signe. Donc c'est vrai que de part de cette revalorisation de la valeur locative cadastrale, qui est donc sur l'inflation, donc à la fois sur les prix de l'énergie, de l'aliment, on va voilà vers un sujet en fait très sensible. Madame Delpech l'a rappelé, et c'est vrai que c'est en fait intéressant à redire, puisqu'en fait il y a beaucoup de concitoyens qui ont pas compris, et c'est normal vu en fait la complexité du sujet. C'est qu'en fait, s'il y a donc, avec la fin de la taxe d'habitation, donc la reprise de la part foncière des départementales, donc les taux augmentent, mais en fait c'est neutre, hors effet base. Et sur ce point, je trouve que même si cet exercice n'est pas fait, je pense que même en maintenant des taux identiques, il serait quand même intéressant de voir si on n'a peut-être pas la possibilité de les réduire aussi. Alors, même symboliquement, par rapport en fait à la sortie de crise, au regard de l'inflation, et c'est, je pense, un exercice intéressant, non pas baisser les dépenses de fonctionnement, mais pour voir éventuellement où peuvent être en fait les leviers d'amélioration, tout en maintenant en fait les services publics de la commune. Et je pense que cette problématique des taux, je pense, voilà, mériterait que des collectivités réfléchissent sur la manière de travailler, et surtout de manière collective, pour avoir davantage de ressources, mais j'en parlerai ultérieurement. Je vous remercie. Merci. Claude Nicolas. Notre vote, en fait, on va voter contre les taux d'imposition d'abord sur le même principe que celui de l'an dernier, c'est-à-dire le fait qu'on conteste la décision nationale
donc de suppression de la taxe d'habitation. Et qu'en plus, cette année, là, je trouve que c'est un comble de considérer qu'on peut voter des taux négatifs pour atténuer les décisions de la loi de finances votée par la majorité actuelle, parlementaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est scandaleux, je trouve, d'avoir actualisé les bases fiscales au plan national de 3,4% en considérant que c'est les élus locaux qui vont se débrouiller avec les contribuables pour essayer de gérer les contradictions qu'elles portent en termes d'augmentation de la pression fiscale. Donc moi, je suis... Enfin, bon, je réponds finalement, après tout, il y a débat aussi sur les groupes. Moi, je suis contre absolument le fait de voter des taux négatifs pour atténuer les décisions délétères prises par la majorité macronienne au plan national. Il faut assumer. Vous avez voté, enfin la majorité macronienne a voté des taux d'actualisation exorbitants, alors que par ailleurs elle hésite parfois sur des décisions portant sur l'inflation des rémunérations. Là, on laisse effectivement aux élus locaux le soin de gérer cette augmentation. Donc la deuxième raison du vote contre, c'est effectivement le fait que les bases fiscales ont été augmentées par la loi de finances de manière exorbitante, entraînant une baisse de pouvoir d'achat des Mauriciens. Merci. Ah, je sens que Patrick Grange a été interpellé et souhaite répondre, c'est normal. Oui, en fait, après, moi, je comprends pas trop, en fait, ces attaques-là, et en fait, je n'ai pas la prétention de représenter qui que ce soit, donc le loin de là. C'est juste de me dire que, quel que soit le gouvernement, c'est pas lui qui maîtrise l'inflation. Hein, donc le prix sous les énergies, c'est pas lui qui décide sous le prix des matières premières. Ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, aucun gouvernement n'est responsable. Donc s'il y a une situation de crise, à lui de trouver les moyens d'atténuer ça. Ce que je voulais dire, en fait, et j'ai peut-être pas été clair, c'est qu'en fait cette hausse des bases, quoi qu'on en pense, avantage les collectivités, puisqu'en fait c'est des ressources supplémentaires, et on le voit que rien que sur Saint-Maurice, quand on regarde, en fait, quand on voit l'évolution au niveau des recettes fiscales, c'est quasiment 1 million supplémentaire. Enfin, c'est quand même pas des sommes neutres. Donc en fait, c'est cette contradiction et hors champ politique de toute collectivité de arbitrer entre des ressources qui sont à son avantage et de gérer la pression fiscale des habitants. Et là, c'est un vrai sujet de fond. Et on est à 3,4% d'augmentation de base. Peut-être que l'année prochaine, on sera à 6 ou à 12. Enfin, je ne sais pas. Bon. Donc là, il y aura peut-être des mesures législatives. Alors, il est vrai qu'auparavant, ces augmentations de base étaient liées à des amendements parlementaires. Les règles ont changé. Peut-être qu'à terme, il faudra les revoir, compte tenu d'un environnement macroéconomique international qui dépasse notre simple pays, la France. Merci. Pour en revenir à un niveau plus terre-à-terre, après t'avoir invité à éteindre ton micro, s'il te plaît, Thibault Vitry va apporter son commentaire. C'est pas un commentaire, monsieur le maire, mais je souhaiterais, pour les gens qui nous suivent sur Facebook, pour les membres du conseil municipal et pour le PV, qu'il y ait plus d'explications concernant la taxe d'habitation. Puisque en 2021, nous avons reçu, pour ceux qui sont encore assujettis à taxe d'habitation, une taxe d'habitation avec la ligne commune, avec un taux, et nous n'avons pas voté en 2021. En 2022, ça va être encore peut-être la dernière année. Je souhaiterais, pour plus de clarté, que les gens qui vont recevoir une taxe d'habitation avec une ligne commune, qu'ils comprennent comment ça va se passer, quelles sont les conditions. Donc je donne naturellement la parole à Claire Delpech, dont je rappelle qu'elle est responsable des finances, de la fiscalité et du logement à l'Assemblée des communautés de France, qui regroupe toutes les intercommunalités de France. Alors, spécialiste du sujet. Sur ces questions-là, en fait, il a été décidé donc de supprimer la taxe d'habitation, mais sur une période de 2 fois 3 ans.
une première période correspondant aux contribuables dits modestes, 80% des contribuables, et puis une seconde période qui se terminera cette année-là, 2022. Pendant cette suppression, les montants de taxes d'habitation sont perçus par l'État et s'est mis en place un dispositif de compensation pour les communes qui est le dispositif suivant. Les communes ont reçu, en compensation de la perte de la taxe d'habitation, le produit du foncier bâti départemental qui vient s'ajouter en termes de taux, au taux communal de cette même taxe. Mais la taxe d'habitation que continuent à payer les ménages est en fait perçue par l'État qui, en échange, a reversé et au département qui avait donc perdu sa taxe sur le foncier bâti et aux intercommunalités des fractions de TVA. Mais nous, communes, nous sommes compensés par le foncier bâti départemental dont le taux vient se surajouter en quelque sorte à notre taux. Par ailleurs, ce foncier bâti départemental étant insuffisant pour couvrir le volume de taxes d'habitation que nous avons perdu, nous bénéficions d'une compensation complémentaire de façon à ce que la perte de la taxe d'habitation ne se fasse pas sentir dans notre budget. Merci. Voilà, je pense qu'on pourra dans le magazine municipal au moment des impôts, c'est-à-dire au mois d'octobre, faire une explication parce que c'est vrai que c'est assez pointu et c'est nécessaire. Je crois qu'on en a terminé sur cette discussion. Je rectifie un chiffre, mais on pourra se voir en tête à tête pour comprendre nos modalités de calcul. Je pense que Patrick Grange a évoqué un gain supplémentaire d'1 million d'euros lié à cette revalorisation. Moi, les calculs dont je dispose, c'est 325 000 euros, donc c'est pas exactement pareil. Mais on va pas faire un débat trop technique. Il se trouve qu'on en a pas parlé en commission, donc on pourra se revoir à ce sujet bien volontiers. Il est temps de mettre donc aux voix le vote des taux d'imposition, donc reconduit en 2022 au même niveau qu'en 2021, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Donc, effectivement, 3 oppositions pour les raisons indiquées. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc 3, et c'est adopté, je vous en remercie. Alors maintenant, nous arrivons au point principal de notre ordre du jour, à savoir le vote du budget primitif, pour lequel Claire Delpech, Stéphanie Vitet, directrice des finances, Sophie Berthuis, directrice générale des services, ont préparé un diaporama, 18 je crois, diapositives, qui normalement devrait être projeté simultanément sur la page Facebook de la ville pour que chacun puisse suivre plus facilement. Ma chère Claire, c'est à toi. Très bien. Alors, j'attends l'image, mais effectivement, on a considéré avec Igor Semo que c'était plus simple, finalement, plus illustratif, de présenter les éléments principaux de ce budget au travers d'une série d'illustrations, au travers de ce diaporama, plutôt que de se lancer dans la lecture parfois éprouvante du document, même s'il est très complet, et je vous invite évidemment à vous y reporter pour des détails complémentaires. Alors ce budget primitif pour 2022, il reprend en fait les éléments que vous avez déjà vus et dont vous avez déjà débattu, autour desquels vous avez déjà débattu au moment du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en février. Peut-être que pour simplifier finalement l'analyse, on pourrait regarder quels sont les faits marquants de ce budget, de façon d'abord mettre en avant les bonnes nouvelles, il y en a beaucoup, vous allez voir, et puis retenir finalement les points les plus importants. Alors ces bonnes nouvelles, ou ces faits marquants en tout cas, que sont-ils ? Premier point, c'est la stabilité des taux d'imposition pour la 33e année consécutive. Le deuxième point, il vient d'être évoqué, c'est la dynamique des recettes de fonctionnement.
qui est retrouvé notamment au travers de ce taux de revalorisation des bases fiscales qui est très favorable et qui nous permet d'avoir des recettes de fonctionnement dynamiques. C'est un taux qui est décidé, qui est voté, enfin qui n'est pas voté d'ailleurs, c'est un taux légal, pardon, excusez-moi, c'est quelque chose d'obligatoire, donc ce n'est pas le Parlement qui décide d'appliquer ce taux, ça s'applique maintenant de façon systématique sur les bases ménages, que ce soit le foncier bâti principalement. Troisième point important, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, et ça en dépit d'un contexte fortement inflationniste, ça vient d'être rappelé, hausse du coût de l'énergie, gaz, électricité, mais aussi hausse du coût des matières premières qui pèsent quand même sur la commande publique et sur les marchés que la ville peut avoir à passer. Quatrième point, le fait qu'on lit dans ce budget quand même la poursuite d'une politique volontariste d'entretien du patrimoine, et la ville a un patrimoine important, avec la volonté d'un entretien à un bon niveau, c'est un point essentiel. Des dépenses d'investissement, on va le voir, qui intègrent des projets structurants, qui sont des éléments forts pour notre collectivité, dont certains seront financés sur une période de 2 à 3 ans. Une bonne dynamique, Monsieur le maire l'a rappelé en introduction, concernant la recherche et l'obtention de recettes d'investissement, et puis un niveau d'endettement faible qui donne l'occasion d'avoir un bon ratio en matière d'endettement, notamment sur la capacité de désendettement de la ville, ce qui lui permet aussi de recourir de façon raisonnable à l'emprunt. Et puis enfin, la mise à contribution dans des conditions maîtrisées d'une partie des excédents de fonctionnement des années antérieures. Donc voilà les faits marquants sur ce budget. Je vous propose qu'on le parcourt de façon un peu transversale et rapidement, mon idée étant vous rendre les choses agréables dans la lecture de ces éléments financiers. Alors vous avez là la présentation de la section de fonctionnement. Les recettes de l'année de ce budget 2022 s'équilibrent, c'est la règle, en dépenses et en recettes. On est sur un volume de 30 millions d'euros. À noter quand même que si on retire la partie qui est en jaune, financement de l'investissement, on obtient une épargne de gestion de 429 000 euros, c'est-à-dire 30 euros par habitant. Notons que c'est quand même un niveau relativement modeste et qu'il est inférieur à la moyenne des communes de la même strate en Île-de-France. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être, nous incite un petit peu de vigilance. Et de ce fait, l'investissement est principalement financé par les résultats des années antérieures. Alors, je vous propose maintenant un petit zoom sur deux de nos principales recettes de fonctionnement. La première, c'est une dotation d'État qui s'appelle la dotation globale de fonctionnement. On parle de DGF. Cette DGF, comme vous le voyez sur ce graphique, elle subit une érosion extrêmement importante depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 2014. Le montant de la DGF en volume a été divisé par 3. 2,4 millions de DGF en 2014 pour la ville de Saint-Maurice, 800 000 euros budgétés en 2022. Alors, on va voir que ce niveau de DGF, il est faible pour la ville et qu'elle se situe dans la partie faible quand on regarde les autres niveaux de DGF pour les communes du Val-de-Marne. Les facteurs explicatifs de cette baisse de la DGF et de cette situation dans laquelle on est, il y en a 3 en fait. Le premier, c'est que finalement, Saint-Maurice bénéficie, et c'est tant mieux, d'une richesse fiscale, d'une assise fiscale qui est assez importante, en particulier en provenance de la fiscalité payée par les entreprises, dans le foncier bâti en particulier. Il y a un tissu économique assez dynamique avec des entreprises qui donc ont une fiscalité qui
accompagne le développement de la ville. Ça, c'est le premier facteur d'explication. Le deuxième, c'est qu'on a une pression fiscale faible. On l'a rappelé tout à l'heure. C'est un avantage pour les contribuables, mais c'est un inconvénient quand on parle de la DGF, parce que ça fait partie des choses qui sont prises en compte, l'effort fiscal que peut faire la ville dans le cadre de cette dotation. Et puis, le fait qu'on a une population stagnante, et comme cette dotation, elle est versée en regardant aussi les évolutions de population, quand la population progresse, la DGF progresse. Et on n'est pas dans cette configuration, donc on retrouve cette courbe véritablement descendante. Si on compare, et c'est la diapositive suivante, le positionnement de la ville de Saint-Maurice sur l'ensemble des villes du Val-de-Marne. Alors, je suis tout à fait désolée, je me rends compte que c'est tout à fait illisible, parce que c'est écrit en tout petit, mais je vais vous en donner, moi, quelques éléments de lecture. Vous voyez, Saint-Maurice est en rouge, donc on est plutôt dans les montants faibles. Je suis en dotation globale de fonctionnement en euros par habitant, donc nous, on est à 64 euros par habitant. Au-dessus de nous, on trouve des communes comme Chevilly, 8 euros par habitant, Charenton-le-Pont, 15 euros par habitant, Ivry, 42 euros par habitant, et on voit bien que là, c'est soit une question de pression fiscale ou de richesse fiscale qui pénalise. Le tout premier là-haut, c'est Rungis, donc vous avez bien compris. Et puis en bas, on a des villes qui sont aidées au regard de leur profil particulier. Je pense en particulier, la dernière, ça doit être Villeneuve-Saint-Georges, où on doit être à 300, quelque chose comme ça, euros par habitant. Mais encore, on a des villes qui sont mieux dotées, comme Saint-Maur, 104 euros par habitant, ou Maison-Alfort, 116 euros par habitant. Voilà. Donc ça, c'est une recette importante pour nous, dont il faut vraiment être vigilant quant à les critères d'évolution sur lesquels on peut agir, pas tous, mais sur certains on peut agir. La deuxième recette importante, et c'est la diapo suivante, c'est la fiscalité. On a un produit fiscal important en raison d'un bon niveau de base en matière de taxes foncières. Donc, je le disais, à la fois les ménages, mais aussi les entreprises. Vous voyez que cette fiscalité sur le graphique en secteur là qui est présenté, c'est l'orange. C'est 76% de ressources fiscales. Notez quand même qu'une partie de cette recette fiscale repart, en fait, elle arrive chez nous, puis elle repart vers le territoire Marne-et-Bois, territoire d'ailleurs qui nous permet aussi de bénéficier d'un certain nombre d'équipements. Je pense à l'espace de coworking, je pense au studio d'enregistrement qui va bientôt ouvrir à l'automne, si j'ai bien compris. Mais vous voyez l'importance de cette fiscalité dans notre profil de recettes. Alors, si on voulait faire une conclusion schématique, bien évidemment, à ce stade, sur le profil de ressources, on dirait que, finalement, nos recettes de fonctionnement, elles sont quand même structurellement faibles. La DGF, elle va continuer de décroître, d'autant que la situation de l'ensemble du budget de l'État est extrêmement déficitaire et que, bien évidemment, quel que soit finalement le candidat qui l'emportera, la question se posera, comme elle s'est posée dans les années précédentes, du partage d'une partie de ce déficit avec les collectivités locales. Donc ça, c'est une réalité à laquelle on est bien obligé de faire face. La progression des recettes fiscales, elle ne repose que sur l'actualisation des bases. Bonne nouvelle cette année, alors peut-être moins bonne pour les contribuables, parce qu'effectivement ça va arriver sur leur feuille d'impôt, mais bonne nouvelle en tout cas pour le budget de la ville, ça lui permet de financer des prestations. Les indices sont bons cette année. Et elle se repose aussi sur l'arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux ménages. Mais voilà, est-ce que ce phénomène sera pérenne de façon importante, pérenne sans doute, mais de façon suffisamment importante pour porter le budget? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et puis la troisième recette dont j'ai peu parlé, qui sont les recettes tarifaires, qui ont beaucoup souffert en 2020, 2021 encore, qui retrouvent cette année des perspectives d'évolution comparables à ce qu'on avait pu connaître en volume en 2019, mais qui sont liées aussi et qui sont dépendantes en tout cas à une relance ou à une bonne fréquentation des services. Donc là aussi, il faut être assez vigilant. Alors, une fois qu'on a vu les recettes, on regarde les dépenses. C'est l'autre face, en quelque sorte. Vous voyez qu'il y a deux grandes familles de dépenses. Les charges générales et les autres charges courantes,
un volume de l'ordre de 10 millions d'euros. C'est ça qui permet à la ville de fonctionner, ses achats, les marchés, l'ensemble des services que vous voyez apparaître dans les charges de gestion sur le graphique en secteur sur la droite. Et puis, les charges de personnel, près de 15 millions d'euros. Ce qu'on peut dire là simplement comme commentaire de façon assez simple, hein, c'est autre point dans l'éclairage de ce budget 2022, la culture. On retrouve une saison complète, de grande qualité, avec un accent qui va être mis sur les jeunes publics. Je crois que c'était très attendu. Et la reprise des manifestations traditionnelles après deux années un peu chaotiques liées à la crise sanitaire. Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement, eh bien, on va passer à l'investissement. Alors peut-être à l'investissement avec cette petite comparaison qui compare donc la ville en orange, Saint-Maurice, et les communes d'Île-de-France sur la strate, donc 10 000, 20 000 habitants, en ce qui concerne les dépenses d'équipement en euros par habitant. On voit que finalement nos marges de manœuvre, en tout cas les marges de manœuvre qu'on réussit à dégager et qu'il faudra réussir à dégager pour l'avenir, doivent venir appuyer les dépenses d'équipement en euros, puisqu'on se situe quand même un petit peu en dessous de la moyenne des communes Île-de-France de la strate correspondance. Alors, comment sont financées ces dépenses d'équipement? Ben, vous retrouvez ici mon petit tramé en jaune là du virement qui vient de la section de fonctionnement. Et comme je vous le disais, hein, de recettes en quelque sorte actives de l'année, on dégage des subventions d'investissement, des emprunts qui nous servent à équilibrer cette section d'investissement. Et puis on s'appuie beaucoup sur ces excédents, cette consommation maîtrisée des excédents qui nous permet d'avancer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces projets d'investissement? Et quels sont les projets en cours? Je crois que ce sont de très beaux projets, hein, dont on peut effectivement être fier. La rénovation du COSEC, alors c'est pas un projet nouveau, on en a déjà parlé, mais il refait en quelque sorte son entrée dans le budget avec la poursuite des études en cours. C'est un point fort du budget et l'idée ici, c'est de remettre un petit peu à plat le dossier de façon à pouvoir mieux répondre aux attentes en matière de sport et aux capacités financières de la ville, vraiment bien faire coïncider les choses pour bien maîtriser ce marché avec des premiers marchés qui seraient lancés en 2023. Voilà donc un des projets en investissement. Autre projet en investissement, je ne citerai évidemment pas tout, la restructuration du mini-stade qui devrait être disponible dès l'été. Troisième programme un peu phare, structurant, hein, la rénovation thermique de la crèche de la Croix, qui sera conduite sur plusieurs années. Vous verrez tout à l'heure des images, ça va être effectivement un très très bel équipement. À citer aussi, à noter, la rénovation de la cour de l'école Gravel, avec quelque chose de très original et la création d'un îlot de fraîcheur, c'est-à-dire d'arbres qui permettent d'apporter de la fraîcheur et un espace de jeu partagé très innovant, donc une politique en direction de la jeunesse. Bien évidemment, on retrouve cette année une participation aux travaux de rénovation de la piscine de Charenton dont on attend tous avec impatience la réouverture. Des travaux d'adaptation des bâtiments et de mise aux normes des bâtiments recevant du public. C'est important, hein, d'avoir un entretien régulier de ces bâtiments pour éviter que ce soit trop... des reprises trop lourdes, la poursuite des travaux de voirie et notamment une sécurisation des carrières rue des réservoirs, qui est une opération qui se conduit avec la ville de Joinville. La dernière année de rénovation de l'éclairage public, c'est de la mise en place des LED. Et puis la poursuite du renouvellement de la flotte automobile. Donc voilà l'ensemble, enfin les projets. Vous voyez,
Il y a beaucoup de projets. Je crois qu'à suivre, il y a un projet dessiné de ce que sera la crèche de la Croix. Hein, voilà, pardon, c'est le lecteur de la crèche de la Croix. Donc l'idée est une reprise à la fois entière de la façade pour permettre de gérer les désordres thermiques qu'on avait pu connaître. Alors, peut-être sur la diapo suivante, pour vous expliquer ces couleurs. Alors, je vous rassure, les enfants seront mieux accueillis à la crèche de la Croix qu'ils ne le sont sur cette représentation. L'idée étant là portée par l'architecte, on peut peut-être revenir à la diapo précédente, maintenant que vous avez vu ce qu'on voulait vous montrer, hein, c'est que les couleurs de la façade sont en lien avec ce tableau de la Croix, justement, pour faire le parallèle, hein, entre cette peinture emblématique de ce grand peintre et cette façade de la crèche de la Croix. Je crois que la diapo suivante, voilà, vous montre l'intérieur. Va y avoir une circulation intérieure avec des régulations thermiques qui seront effectivement importantes et qui vont transformer de façon intéressante ce bel équipement. Et je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. On peut interrompre. Merci beaucoup, ma chère Claire. À toi pour ton investissement et ta pédagogie, je crois, appréciée de tous. On a pris le temps d'une présentation complète, mais encore une fois, ce sont des projets qu'on reverra tout au long de l'année. Je tiens à remercier, c'est aussi l'occasion, Stéphanie Vittel et toute la direction des finances pour cet énorme travail de préparation de notre budget sous le contrôle et l'implication de Sophie Berthuis-Lauterfine, directrice générale des services. Donc un grand merci. Je voudrais juste un tout petit commentaire, atténuer une impression, peut-être quand il y a la diapo sur l'équipement par habitant, on peut comprendre que Saint-Maurice a une dépense d'investissement significativement moindre qu'une référence, une moyenne de référence, mais une explication qu'il faut juste intégrer, c'est qu'on n'est pas dans une logique de ville en développement important de population. Je prendrai, puisque je discute avec de nombreux maires du Val-de-Marne, si on prend l'exemple de Limeil-Brévannes, où ils sont obligés de faire un nouveau groupe scolaire pratiquement tous les 2-3 ans, d'accueillir une population beaucoup plus importante, c'est sûr que là, les investissements sont plus élevés, mais du coup, la dette par habitant est conséquente. Juste pour compléter, je voudrais faire mention d'investissements réalisés à Saint-Maurice par des partenaires de la ville, à la demande de la ville. Je pense aux travaux de voirie du département. J'ai été reçu récemment par le président du département du Val-de-Marne, Olivier Capitagno, et nous avons travaillé justement sur un certain nombre d'interventions qui seront détaillées dans les prochaines semaines. Et je remercie le département du Val-de-Marne, qui était déjà un bon partenaire, mais qui l'est davantage encore. Et puis je voudrais remercier notre intercommunalité, Paris-Est, Marne et Bois, et donc mes collègues qui ont soutenu deux initiatives voulues par la ville de Saint-Maurice. Et quand je dis soutenu, en fait, le Paris-Est Marne-et-Bois va les financer intégralement. Dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Il s'agit de deux nouveaux équipements qui vont, je pense, connaître un certain succès, on le souhaite. Le premier, c'est un espace de travail partagé, qu'on appelle aussi coworking, qui sera au 252 rue Leclerc et dont j'ai pu visiter le chantier la semaine dernière et qui est quasiment achevé. Donc nous espérons qu'il ouvrira ses portes fin mai. Il reste encore quelques fournitures à apporter. Et donc ça sera un lieu très intéressant pour de nombreux salariés ou indépendants qui cherchent un lieu pour pouvoir travailler dans un cadre autre que le domicile ou sans avoir à faire des déplacements trop importants. J'ai d'ailleurs parlé de cette initiative à la directrice de Pôle emploi Maison Alfort qui est extrêmement intéressée. Et donc chacun d'entre nous pourra en faire la promotion d'ici quelques temps. Et puis deuxièmement, nous allons ouvrir un studio d'enregistrement musical à la Maison des Jeunes de la Croix. Donc les marchés seront passés dans les toutes prochaines semaines et on espère une ouverture au mois d'octobre.
pour différents types de musique, classique, jazz, musique urbaine. Voilà, ça sera un lieu de création avec des équipements de grande qualité, n'en doutons pas. Voilà, alors je vais ouvrir le débat et je vais poser la question de savoir s'il y a des demandes d'intervention, de prise de parole à la suite, je suppose qu'il y en a, de la présentation de ce budget primitif 2022. Alors, dans quel ordre ? Patrick Grange. Très court, quand même. Avant d'entendre l'exposé de Nicolas sur l'effet de ciseaux, me suggère-t-on de manière assez taquine, je dois dire. Patrick. Non, ouais. Et puis je vais faire attention à ce que je dis pour parfois avoir un retour de flamme aussi que je n'aurais pas anticipé. Un grand merci en fait à Stéphanie Vité, à ses équipes et puis à la présentation de Claire Delpech sur le budget qui a été fait. Juste quelques commentaires. Rapide, c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est que on voit, et ça c'est lié en fait à la mécanique en fait de liée aux recettes de fonctionnement, c'est qu'on voit que l'effet Covid en fait a complètement disparu. Donc en fait on a un effet rebond qui est assez incroyable, et je pense qu'il y aurait beaucoup d'institutions ou d'organismes qui aimeraient vivre en fait le vrai engouement. Juste rappeler quelques chiffres. En 2017, en recettes fiscales, il y avait à peu près 17 millions. En 2022, 19 millions. Donc, on est en fait à plus de 2 millions. Par rapport à l'effet DGF que vous avez souligné, Madame Delpech, certes, mais on voit qu'il y a quand même s'il y a une baisse, une certaine résilience si on prend l'ensemble des dotations. 3,4 millions en 2017, on est à peu près à 2,6 attendus en 2022. Les recettes tarifaires ont littéralement augmenté. Donc on voit 2,4 millions en 2017 et on est à peu près à 2,7 millions en 2022. Donc on peut considérer que l'effet Covid est derrière nous. Juste en fait un point, c'est... je pense, pour faire le lien avec la partie taux, et c'est vrai que ça me vaut quelques inimitiés, c'est qu'en fait, on peut aller rechercher de la ressource. Et en fait, je reviens en fait sur un point. Alors, ce n'est pas en fait une marotte, mais je vois par exemple, concernant les recettes tarifaires, on est de mémoire à 2,7 millions. Les recettes de fonctionnement, de stationnement représentent 22%. Il y en a donc 71% qui vont pour le prestataire, qui fait quand même un manque à gagner de plus de 400 000 euros en fait pour la ville. Alors, surtout que c'est une prestation qui pourrait être complètement internalisée par la ville et par des agents davantage sur le terrain. Et je pense que c'est important, puisque au-delà de ces prestations de vérification, eh bien, on gagne en fait en relation avec les administrés, on sent davantage les choses sur le terrain, on prend du renseignement, et je pense que c'est vraiment important que ça soit complètement internalisé par la ville. Surtout que 400 000 euros, c'est pas neutre, ça représente quasiment la moitié de la DGF actuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi être repris par la ville. Après, il y a un second point. Quand je vois, voilà, quand je lis que il y a des dépenses de fonctionnement supplémentaires liées en fait à des fournitures de police, là je me dis si maintenant l'Union européenne arrive à faire de la mutualisation d'achat de gaz, je me dis pourquoi les collectivités encore aujourd'hui, et ça ce n'est pas propre en fait à Saint-Maurice, comment se fait-il qu'en 2022 on ne mutualise pas au niveau d'une comité d'agglomération ce genre de d'achat groupé qui permettrait d'avoir des remises en fait immédiates, d'avoir, je pense, voilà, de meilleurs prix et de gagner encore en fait en ressources de fonctionnement qui permettrait, encore une fois, mais je m'étais peut-être mal exprimé, d'atténuer en fait l'effet recettes fiscales qui, quoi qu'on en pense, en fait, ne pourront pas augmenter éternellement. 76%
Les recettes de fonctionnement sont des recettes fiscales. Alors ça, c'est intéressant pour la ville, mais ça ne pourra pas aller à des chiffres beaucoup plus hauts. Et je pense que là, on gagnerait aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, même si il est vrai qu'il va y avoir des opérations d'investissement qui vont pouvoir contribuer à limiter les gaz à effet de serre sur la ville. On l'avait dit aussi, c'est dommage qu'on ne parle pas d'un budget climat, c'est-à-dire qu'on a une photo, un instant T, d'une mandature de toutes les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes que la ville fait. Notamment via ses prestataires dont la ville a besoin pour assurer le service public, et de pouvoir, même à un niveau très local, de pouvoir s'assurer qu'on est chaque année en cohérence en fait avec la stratégie bas climat du gouvernement, et que conformément en fait aux préconisations du GIEC, donc ça c'est transpartisan, pour qu'on soit bien dans cette stratégie bas carbone de baisse de 5% par an, qui, même si on a l'impression que 5% c'est des chiffres faibles, sont des chiffres en fait très importants. Donc je pense que, pour terminer, par rapport à ce niveau de recettes fiscales en fait importantes, je pense que ça mériterait de, voilà, qu'il y ait un vrai travail collectif au niveau des villes pour mutualiser le maximum d'achats et de gagner en ressources de fonctionnement sans systématiquement se baser sur des hausses fiscales liées aux bases, même si les taux restent fixes. Je vous remercie. Alors, merci. Avant de passer à la parole à Claude Nicolas, je pense que c'est intéressant de répondre précisément. Merci d'être force de proposition. Voilà, donc il y a des éléments de compréhension que Mike Budaxi va donner sur le stationnement comme sur les achats de gaz. Oui, alors concernant la DSP et FIA, c'est vrai qu'on peut toujours tout améliorer, et moi je suis partisan de tout ce qui est perfectible. Il n'empêche que la ville de Saint-Maurice ne souhaite pas non plus verbaliser à outrance les Mauriciens. On peut imaginer que si on avait des agents qui étaient tout le temps sur le terrain, ben ça voudrait dire qu'on va tout le temps verbaliser nos administrés, et ce n'est pas l'objectif de la ville. L'objectif de la ville, c'est justement un juste partage du stationnement entre les Mauriciens et puis les gens qui viennent de l'extérieur. Alors, même si le taux pour la ville de Saint-Maurice est assez limité, il n'empêche qu'il y a un bon service rendu par cette DSP EFIA. Elle sera remise en cause puisque la fin de la DSP arrive en 2023, et il sera temps de réfléchir peut-être à de nouvelles méthodes, nouvelles stratégies de la ville. Et là, on verra à ce moment-là. Concernant le gaz, on est déjà avec le CIGEF en achat groupé. D'accord, c'est quelque chose qui existe déjà, aussi bien pour l'électricité avec le CIPEREC qu'avec pour le gaz avec le CIGEF. Voilà. Le CIGEF, donc, c'est un syndicat intercommunal qui réunit donc un certain nombre de villes sur justement ces achats groupés de gaz, et qui offre tout un tas de services, et qui nous permet aussi d'avoir des tarifs bloqués sur des périodes, sur des achats anticipés à 2-3 ans. Alors il y a plusieurs schémas. Il y a des schémas où on achète le gaz avec un tarif bloqué sur tant d'années, et puis vous avez aussi des villes qui n'ont pas adhéré au CIGEF et qui ont d'autres méthodes, où ils achètent le gaz au coup par coup à l'année, et on voit bien que ces villes qui ont été dans cette direction-là sont pénalisées aujourd'hui. Alors, nous, tant sur l'électricité que sur le gaz, on a fait ce choix-là, d'achat groupé avec le CIGEF pour le gaz et le CIPEREC pour l'électricité. Voilà. En fait, je ne parlais pas tant du gaz, mais en fait, ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est toutes les émissions fossiles, en fait, qui génèrent en fait du CO2. Donc, ça peut être du gaz, ça peut être du fuel, et ça peut être, en fait, tous les véhicules mobiles utilisés tant par la ville que par les prestataires pour livrer la tour pas ou autre. Donc, en fait, c'était pas seulement un
hein, sur le GAL, mais de faire en fait ce qu'on a un appel en fait. Est-ce que je pense au niveau de la collectivité, au niveau du PCAUT, les communes ont fait, et de pouvoir traduire ça au niveau d'une commune, je pense que c'est intéressant, d'une part intellectuellement, et très motivant pour montrer que quand il y a un investissement qui est fait et qui est vertueux, c'est un impact en fait immédiat sur les calculs de gaz à effet de serre qui ont été faits sur la ville. C'est ce que l'on fait notamment cette année, et vous avez vu au budget tout à l'heure, sur le remplacement des véhicules donc, du parc automobile de la ville. Cette année, on investit dans 4 nouveaux véhicules donc, électriques. Je comprends qu'il y a deux sujets différents. Il y a les achats groupés, donc ça, on peut le faire pour les bornes rechargeables. On travaille avec la métropole du Grand Paris. Voilà, évidemment qu'il y a une capacité d'achat beaucoup plus importante et ça nous permet d'avoir de meilleurs prix. Puis il y a un autre sujet qui est la compréhension des effets de notre budget par rapport à la production de gaz à effet de serre. Et effectivement, là, on se disait en aparté que c'est une idée intéressante qu'on va retenir. Comme on travaille sur un plan pluriannuel d'investissement, le PPI qu'on avait annoncé et sur lequel on espère déboucher à la fin de l'année, eh bien, on pourra voir comment intégrer ça, parce que c'est intéressant de voir quels sont les efforts que l'on réalise en investissement et qu'est-ce qu'ils produisent comme effet par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Alors, Philippe Bourdageau, qui, je rappelle, est en charge des bâtiments complétés. Oui, donc ce travail-là, on va le faire, effectivement, comme vient de le dire M. le maire, en parallèle du plan pluriannuel d'investissement. Alors, c'est vrai qu'on ne le valorise pas. On a fait, notamment depuis plusieurs années, on a fait des travaux importants, notamment de remplacement des chaudières. Bon, on a remplacé 11 chaudières l'année dernière. Enfin, elles ne sont pas toutes encore remplacées. Il y a encore une ou deux à remplacer. Et ça va avoir un impact effectivement important sur les gaz à effet de serre et sur le bilan carbone. Les travaux qu'on va faire également dans la crèche de la Croix, qui est un équipement dans lequel la température peut monter à 45-50 degrés l'été, et où là qu'on a du mal à chauffer l'hiver, ça va également nous aider à effectivement améliorer notre bilan carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, tout ça, on fait énormément de travaux. Michel, oui, on va travailler également sur l'équipement sportif, le COSEC avec l'isolation. Enfin, tous les travaux qu'on fait, effectivement, on a à chaque fois à l'esprit effectivement ces améliorations des gaz à effet de serre ou du bilan carbone. On ne le valorise pas forcément aujourd'hui. On va le faire. Hein. Ça sera une colonne dans notre plan pluriannuel d'investissement qui nous permettra effectivement de comparer et de se donner des objectifs de performance. Alors, je tiens à cette occasion à saluer Julien Taillot, le directeur des services techniques, et l'ensemble des services techniques qui font un travail extrêmement précieux et qui vise justement à prendre en compte cette préoccupation. La parole est maintenant à Claude Nicolas. Sur le budget. Alors, au fil des présentations que je rédige et que j'exprime sur le budget, les budgets et les comptes depuis des années, ce qui me frappe encore, même de plus en plus encore sur le budget primitif 2022, c'est l'assèchement des ressources consacrées aux services publics. Alors même que, je vais faire un peu de politique, alors même que le capital prospère, qu'il prospère d'autant plus en période de crise sanitaire et de guerre. À l'exemple de la société Pfizer, j'ai appris aujourd'hui qu'il avait doublé son bénéfice net en 2021 à 22 milliards de dollars et que le capital finit, parce que c'est l'objectif des politiques de réduction des prétendus déficits publics, par investir dans les services à la population, élargissant son territoire de profitabilité. Tous les services publics font l'objet d'une marchandisation. La dépendance, la santé, la psychiatrie, l'éducation, la petite enfance. On voit bien, d'ailleurs, y compris qu'il y a une crèche privée encore qui se crée sur Saint-Maurice, et la culture. Cette situation devrait placer les communes en situation de résistance. Je commence par là parce qu'un constat nous révolte. Je vais revenir encore sur des points qu'on a abordés lors de la décision sur le vote des taux, parce que effectivement, une chose nous révolte dans le budget primitif 2022. En effet, dans le même temps où l'État nous fait perdre 16% de dotation, et on voit bien que
bon, quand on regarde le graphe, on peut considérer qu'à terme, c'est la dotation de fonctionnement va disparaître, alors même que les bases fiscales sont actualisées à 4%. Il y a quelque chose effectivement de contradictoire, ce qui veut dire même que, en l'absence d'augmentation des taux, ce qui est le cas à Saint-Maurice, les contribuables vont supporter une augmentation de la pression fiscale. Alors il y a une part de cynisme, à mon avis, dans la stratégie du gouvernement et du président de la République, nous faire croire que nous gagnons en pouvoir d'achat par la suppression de la taxe d'habitation, alors qu'il assèche les ressources des collectivités et qu'il fait reposer sur les élus locaux la responsabilité de gérer la pression fiscale. Les Mauriciens perdent en ressources pour leur service public et en pouvoir d'achat par la pression fiscale. On aimerait bien d'ailleurs que l'augmentation de la DGF soit codifiée comme les bases fiscales, parce qu'en fait la DGF c'est à l'origine un impôt qui a été supprimé. C'est le versement sur les salaires qui a été supprimé et qui nous a été reversé en dotation. Or, depuis des lustres maintenant, depuis tous les gouvernements, c'est une dotation qui a été baissée. Voilà. Alors, cette situation, effectivement, j'aurais peut-être un topo plus nuancé, même plutôt presque inverse de la présentation du budget primitif 2022 qui a été faite, même si elle est rigoureuse d'une certaine manière. Cette situation génère, effectivement, ces contraintes financières génèrent, au bout du compte, à mon avis, un budget d'austérité qui n'apparaît pas vraiment, d'ailleurs, dans le budget primitif, qui apparaît plus dans les comptes. Donc j'y reviendrai, et que le groupe, donc Saint-Maurice en commun, rejette. Alors dans ces conditions, je vais effectivement parler un peu de l'effet de ciseaux, mais il a été repris par Madame Delpech. Donc dans ces conditions, je reprendrai enfin le débat d'orientation budgétaire qui prend tout son sens avec la persistance donc du déficit systémique. Parce qu'il y a effectivement, quand même s'il est un peu masqué dans le budget primitif 2022, un déficit systémique. Nos ressources progressent moins vite que nos charges, malgré d'ailleurs l'augmentation de la pression fiscale cette année d'ailleurs. Ce qui nous place en situation d'ailleurs de résilience. Je ne reviens pas sur la stratégie financière articulée sur l'excédent qui constitue effectivement un bouclier financier. Pourtant, effectivement, le budget primitif 2022 est présenté malgré tout, dans des conditions, j'allais dire, élégantes, enfin, plus élégantes que les années passées, avec un résultat donc affecté en totalité à la section d'investissement par le mécanisme du prélèvement. On évite notamment le fauné des dépenses imprévues. On avait des dépenses imprévues qui étaient à des montants exorbitants et qui n'avaient pas trop de sens. Il est équilibré même, il faut le dire, avec une épargne brute, marginale, de près de 300 000 euros. Mais bon, je vais atténuer effectivement cette présentation du budget parce que, quand même, la situation financière de la ville est quand même dégradée, comme celle de toutes les villes de France et de Navarre, avec cette réduction notamment des dotations. Je pense que vous profitez. C'est ce qui masque un peu le déficit. Vous profitez de recettes conjoncturelles qui masquent donc ce déficit. En effet, sans la cession pour la vente de l'appartement du Lake Cass, reprise donc en compte 77 dans les recettes réelles de fonctionnement pour un montant de 300 000 euros, correspondant en gros à l'excédent brut constaté, ou même de la plus-value, vous avez parlé en commission, de la plus-value exceptionnelle sur les droits de mutation de l'immeuble Veolia, qui augmente donc aussi les recettes réelles de fonctionnement, le budget donc de fonctionnement serait en déficit et nous aurions besoin effectivement d'une part de l'excédent reporté pour l'équilibrer. Et même d'ailleurs, quand on regarde le budget en gestion courante, il est lui-même en déficit. D'autre part, j'ai posé la question en commission, mais finalement, j'ai pas eu de réponse complètement satisfaisante. Certaines recettes ont été augmentées de façon conséquente,
notamment les recettes liées à l'occupation de domaines publics. Comment peut-on augmenter de plus de 100% la redevance pour occupation du domaine public qui passe de 139 000 euros en 2021 à 292 000 euros en 2022. Le forfait post-stationnement subit la même augmentation, passant de 156 000 à 300 000. Le taux de respect des automobilistes de passage serait-il dégradé autant ? La question là. Et dans le même temps, d'ailleurs, la redevance de stationnement augmente de 30%. Nous permettons de douter de la fiabilité de ces prévisions, mais ce ne sont que des prévisions. L'essentiel se constatera au compte administratif. Je pense que ces artifices permettent simplement de présenter de façon élégante le budget primitif en équilibre, en dépit d'une situation financière quand même dégradée. Par contre, ce qui nous inquiète le plus, c'est que vous amalgamez ces évolutions qui font partie du compte 70, donc produits d'exploitation ou recettes tarifaires, avec les recettes des activités sociales qui reprendraient après le Covid. Alors, c'est vrai qu'on constate que les activités sportives et culturelles augmentent par rapport à 2021. Mais pour l'ensemble, en tous les cas, on est disponible par rapport à une analyse de ces recettes. Pour l'ensemble des activités, y compris la culture et le sport, nous ne retrouvons pas le niveau 2019. En commission, Mme Claire Delpech, rapporteuse du budget, a évoqué la décroissance des effectifs. Dans le même temps, inversement, sur les dépenses de fonctionnement, le constat d'une prévision en augmentation de la masse salariale pour 2022 au niveau du GVT, soit 2%, qui est intégré donc dans le budget primitif, ne contredit pas la décélération tendancielle de la masse salariale constatée lors du débat d'orientation budgétaire, à partir d'ailleurs des documents que vous nous avez transmis sur la structure des effectifs, sur la masse salariale, y compris celle constatée au 31 décembre 2021, puisqu'elle était indiquée dans ces documents. Or, quand on fait l'analyse simple, la masse salariale enregistre une baisse de 1% en moyenne annuelle sur 4 ans de 2017 à 2021. Nous sommes bien dans le cadre d'un budget d'austérité lié aux contraintes financières, même si, effectivement, il y a des résistances avec l'excédent. On est quand même bien, comme pas mal de collectivités, dans un budget d'austérité, donc lié aux contraintes financières. Mais il y a peut-être aussi, et ce qui complexifie la situation, il y a peut-être aussi un lien entre la perte des recettes et la décélération de la masse salariale, pour en déduire que la ville de Saint-Maurice vieillit, que sa population régresse même, entraînant une baisse d'activité, surtout dans les secteurs socio-éducatifs, sportifs et culturels. Sauf le TVO, qui constitue une embellie et qui marche bien, visiblement. Où est-ce, et ça c'est aussi un point qu'on aimerait bien aussi approfondir, où est-ce un effet de l'aggravation des inégalités freinant la fréquentation des services? C'est peut-être les deux d'une certaine manière, à la fois le vieillissement et la régression de la population et finalement l'accessibilité aux services publics. À ce titre, donc, nous avons de manière constante demandé depuis plusieurs mandats à ce que soient révisés les barèmes des quotients familiaux et des tarifs. Nous avons appris d'ailleurs en commission, on en a discuté en commission, que la commission des finances et des affaires familiales serait certainement associée, enfin c'est pas décidé, mais serait associée de manière conjointe pour suivre l'étude à engager sur la révision des barèmes des QF et des tarifs. Donc le groupe Saint-Maurice en commun est disponible. Mais il nous semble que... C'est pas budgétaire, mais il nous semble que pour arriver effectivement à un budget dynamique, il faut redonner une dynamique aussi à notre commune, engager une réflexion avec les Mauriciens, notamment sur la politique d'habitat dans le cadre du plan local d'urbanisme du territoire, pour garder et conquérir une population plus jeune et engager une réflexion sur l'accessibilité aux services publics et sur leur gestion. En ce sens, nous avons effectivement un projet différent. Je ne reprendrai pas les termes
de notre exposé du débat d'orientation budgétaire pour ne pas allonger notre temps de parole. C'est pour cette raison donc que nous ne voterons pas le budget primitif puisqu'il est de surcroît approuvé globalement. Pour autant, nous constatons cette année que nous avons un bon budget d'équipement, même si on espère, y compris un plan prévisionnel des investissements. Et nous allons donc approuver, j'anticipe un petit peu, nous allons approuver donc les APCP, donc la rénovation donc du COSEC, qui va prendre en compte d'ailleurs de nouvelles activités, semble-t-il. Enfin bon, c'est pas seulement une rénovation du bâti, mais il y a aussi une réflexion sur l'évolution des activités des associations et des sportifs dans cet établissement. Et ainsi donc, comme APCP, donc la réhabilitation de la crèche de la Croix, dont on a vu effectivement qu'on a des représentations qui préfigurent de l'investissement. Nous approuvons aussi la rénovation de la cour de l'école de Gravel, qui est une rénovation importante cette année. Nous approuvons les investissements partagés. Pour l'essentiel, hein, les investissements partagés avec Charenton sur la réhabilitation des piscines. Il manque, pour bien maîtriser finalement la production des gaz à effet de serre, à mon avis, pour reprendre ce débat, il manque le bilan thermique des bâtiments communaux. C'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas si on peut, j'allais dire, réguler la production des gaz, les empêcher, la production des gaz à effet de serre seulement au fur et à mesure de la réhabilitation, certainement, mais de la réhabilitation des bâtiments communaux. En tous les cas, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un bilan thermique des bâtiments communaux pour anticiper, effectivement, notamment la production des gaz à effet de serre. Et puis, je terminerai, nous avons examiné en commission d'appel d'offres un marché d'études sur la restructuration de la rue du Maréchal Leclerc, de la place Jean Jaurès, à l'avenue du Maréchal de Tassigny. Il apparaissait dans cette restructuration des aspects très intéressants, notamment sur la vie des quartiers, en liaison d'ailleurs avec le plan de développement et d'aménagement durable. Donc ça serait intéressant que... Bon, je pense que la ville de Saint-Maurice peut pas... Les services ne peuvent pas affronter forcément tous les dossiers en même temps, mais puisque finalement il y a eu appel d'offres, qu'est-ce qu'il en est de cette restructuration? Et surtout, puisque finalement, je crois qu'il y avait l'objectif, c'était aussi de consulter, enfin de concerter, y compris la population, semble-t-il. Les informations que j'avais eues en commission, il y avait l'objectif, effectivement, de travailler avec la population sur cette restructuration. Voilà, on aimerait bien en savoir un peu plus sur cet investissement, en quelque sorte. Voilà. Chers collègues, la justification du vote du groupe Saint-Maurice en commun, je vous remercie pour votre écoute. Je vais me situer à un autre niveau pour répondre, parce qu'il y a beaucoup de points, certains très précis, certains très techniques, certains sur des montants faibles, d'autres sur des montants plus importants, sur des principes. Je vais faire quatre remarques rapides, mais moi je trouve que c'est une chance pour la démocratie locale, pour notre conseil municipal, d'avoir en Claude Nicolas en particulier un élu aussi investi, capable d'analyser les budgets, de rappeler les montants de 2017, de faire des comparaisons sur plusieurs exercices, de suivre les évolutions de présentation financière, comptable, budgétaire. C'est un maquis quand même, c'est pas facile de maîtriser tout ça. Et moi je trouve que... par rapport aux caricatures de débats qu'on voit parfois à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est une chance d'avoir un débat approfondi, apaisé. Alors peut-être pas facile à suivre pour ceux qui nous suivent sur, puisqu'il y a une retransmission directe sur Facebook, mais je trouve que voilà, ça donne une belle image de la démocratie locale, une démocratie vivante où on débat, où on essaye de travailler dans l'intérêt général et je pense qu'on essaie de progresser. Non, je ferai juste quatre petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, sur ces questions de dotation de l'État, j'ai fait un rapide calcul. Si on compare ce que touchait la ville de Saint-Maurice il y a quelques années, avant 2014, quand une politique de réduction des dotations de l'État a été engagée, après ça a été stabilisé,
Sur la mandature, en rapide calcul comme ça, le manque à gagner, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour la ville de Saint-Maurice. Le manque à gagner, c'est énorme. C'est 3 années d'investissement. Ce directeur des services techniques, on pourrait en faire des choses hein, avec 10 millions d'euros. Donc, qu'on soit soumis à une certaine pression pour faire vraiment très attention, être très vigilant, je pense qu'on était déjà sur les dépenses publiques, mais ce manque à gagner, il est quand même très cruel. Deuxièmement, concernant la crèche, on a beaucoup insisté sur l'isolation thermique, l'isolation acoustique, le côté esthétique. Je voudrais rappeler qu'il y a une autre dimension très importante, c'est la lutte contre la pollution de l'air. Car nous avions répondu à un appel à projet de la région Île-de-France, nous avons été lauréats avec quelques autres communes de cet appel à projet, et donc il y aura une centrale de traitement de l'air. C'est très important pour la petite enfance, ma chère Pascale Chêne, et aussi pour la santé publique, car toutes les maladies résultant de l'exposition des enfants les plus jeunes à la pollution atmosphérique, je rappelle qu'on est à la sortie de l'autoroute A4, se payent toute une vie après. Voilà. Ma fille aînée qui est passée par la crèche de la Croix était ensuite asthmatique et elle en est sortie, mais ça reste difficile. Et ça a beaucoup contribué. Et donc, je pense qu'avec cette centrale de traitement de l'air, on arrivera à... On est sûr même d'arriver à diffuser un air sain, et ils le méritent bien, nos enfants. S'agissant de la recommandation sur la politique de l'habitat, je fais lien avec le premier point de l'ordre du jour. Oui, il faut offrir des logements attractifs. Voilà, c'est ce qu'on veut faire avec cette transformation de résidence de tourisme en 178 logements. Et enfin, un dernier mot, pour parler d'un grand projet qui intéresse la ville, qui ne va pas entraîner de dépenses en 2022, mais sans doute en 2023, c'est le Capitole, la réouverture du cinéma. Je prends date. Il n'y a pas de traduction budgétaire, mais il y aura tout le concours. Il y aura une première réunion la semaine prochaine du comité de pilotage appelé à devenir le jury pour choisir le lauréat. Donc c'est un enjeu qui connaîtra une traduction budgétaire en 2023-2024. Voilà, avant de passer au vote, je vous indique qu'un texte réglementaire nous impose de distribuer, je vais passer la parole à Patrick Barret, je termine juste ma phrase, un texte réglementaire nous impose de diffuser l'état annuel des indemnités de fonction des élus siégeant au conseil municipal dans leurs diverses fonctions. Donc il est distribué et c'est une fois après avoir écouté Patrick Baruel que nous pourrons voter. Merci. Je vais juste, j'ai une question et puis simplement par rapport à ce que dit M. Nicolas, je rejoins sur un point sur le fait qu'en effet, s'il n'y avait pas eu des recettes exceptionnelles, je pense que le budget serait déficitaire. Et ça, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut regarder en détail. Moi, j'avais une question par rapport aux achats de matières premières, de l'énergie. On sait que ça va augmenter très fortement d'ici l'hiver prochain. Qu'est-ce que vous avez anticipé comme prix d'évolution des achats d'énergie sur ce budget-là? Est-ce que c'est une évolution où vous avez pris en compte justement les perspectives de fin d'année ou vous êtes resté sur une évolution, je dirais, plus ou moins stable par rapport aux derniers mois? Bon, ce que je peux dire, c'est que la question d'une éventuelle pénurie doit être abordée en associant l'État, les collectivités, les particuliers aussi. On sait qu'ils seront préservés. Hein. La priorité, c'est de préserver les ménages s'il y a des problèmes d'alimentation liés à la crise, enfin en énergie liée à la crise internationale. Donc, maintenant la période est aux élections, mais ultérieurement, je pense que le gouvernement, quel qu'il soit, réunira les parties prenantes. Moi, je suis vice-président de l'Association des petites villes de France. Je rappelle qu'on avait voté, avec votre soutien d'ailleurs, un vœu pour la création d'une dotation énergie pour les collectivités. Bon, ça n'a pas été suivi des faits, mais le sujet est certainement devant nous. Donc, nous, on a essayé de faire, comme l'a rappelé Philippe Bourdageau, des investissements pour améliorer la performance énergétique de nos équipements. Mais c'est vrai que si à un moment il y a un problème d'approvisionnement en ressources, en énergie, je pense notamment au gaz, voire à l'électricité, eh bien il y a des dispositions exceptionnelles qui sont prises. Le gouvernement actuel a montré que dans certaines circonstances, il était possible de prendre des mesures. Donc nous, on va continuer nos investissements. Comme ça a été dit, je salue le travail de Mike Budaxi à ce sujet d'ailleurs,
on achève le programme d'investissement, de remplacement des éclairages publics par des LED. Donc ça, c'est un temps fort quand même. On pourra s'en féliciter. On n'est pas la première commune à l'avoir fait, mais on est plutôt en pointe dans le Val-de-Marne. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu prématuré. On peut pas dire qu'on a traduit dans le budget la situation de la production d'énergie dans le monde telle qu'elle pourra être dans 3 mois ou dans 8 jours, hein, d'ailleurs peut-être, ou dans 6 mois. C'est pour ça qu'on a des outils, on a le budget supplémentaire, on a les décisions modificatives. Il faudra ajuster. On est quand même protégé sur la question du gaz jusqu'à, je pense, la fin de l'année sur ce tarif. Donc c'est même en 2023 qu'il y aura peut-être des conséquences. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Vous avez raison, il y a un sujet. Il y aura des conséquences, certainement. On peut aussi espérer que la paix revienne en Ukraine et que les tensions s'apaisent et que finalement, c'est surtout sur l'hiver 2023 hein, qu'il y a des grandes inquiétudes et que le bon sens l'emporte. Je ne sais pas si ça suffira, mais c'est ce qu'on espère. Voilà. Maintenant, si vous avez des suggestions, Patrick Baruel, on est à votre écoute. Hein. C'était simplement, en effet, je pense que dans un budget, il faut en effet anticiper, et même s'il y a des rectificatifs qui sont faits après, mais je pense qu'en effet, un budget primitif, on sait que de toute façon, alors je parlais que du prix, je parlais pas de la possibilité qu'il y ait des coupures, etc., mais je parlais vraiment au niveau achat et prix, peut-être en effet, c'est pour ça que je demandais quel est le taux d'évolution que vous aviez pris dans vos achats, est-ce qu'il est suffisamment élevé, si je puis dire, pour prendre en compte le fait qu'on sait que de toute façon ça va très fortement augmenter d'ici la fin de l'année. Quoi. Voilà. Alors, je pense qu'il faudra aussi être opportuniste, c'est-à-dire qu'on fera du pilotage en fonction des circonstances. Une des motivations du décalage du chantier du centre sportif sur 2023, en plus des arguments qui ont été évoqués, c'est-à-dire de bien ajuster la programmation, la vision de la direction et de la maire adjointe en charge des sports, etc. Il y avait aussi le fait qu'actuellement, on est dans une période très inflationniste, tous les matériaux sont plus chers, etc. On espère qu'en 2023, ça se sera apaisé. Voilà, c'est un pari. Donc, on avait cette marge d'appréciation possible. Donc, on espère qu'à l'été 2023, certaines surcharges, on va dire, auront disparu. Voilà. Donc, rendez-vous est pris et on en rediscutera sans attendre la fin de l'année. Monsieur, voilà, je pense. Oui, dernier mot et après on passe au voix si vous le voulez. Monsieur le maire, juste un élément de réponse à Claude Nicolas concernant l'étude de la requalification de la rue du Maréchal Leclerc. Nous avons réalisé donc notre premier rendez-vous avec l'AMO donc la semaine dernière. Donc, le comité de pilotage en petit comité a démarré. Bien évidemment, les Mauriciens seront associés à travers le comité de quartier. Donc on fera appel au comité de quartier, on fera appel aux commerçants, puisqu'il y a une étude sociologique qui va être prise en compte, avec des interviews donc des Mauriciens du quartier. Il y aura un angle commercial également. Il y aura une étude sur le partage de la circulation également. Donc tout l'environnement va être pris en compte. Depuis la plage Jean-Jaurès jusqu'à Maréchal de Lattes de Tassigny. Donc il y aura un environnement global. Nous sommes qu'au début et bien évidemment, tout le monde sera associé à ça, tous les élus de quartier, les commerçants. Donc ça va être un très gros projet, un projet phare aussi dans les années à venir. Juste par rapport au LED, on ne va pas changer l'éclairage de cette rue puisqu'il y a il y aura de gros travaux irradiés dans cette rue-là. Donc cette partie-là ne sera pas remplacée par les LED. Donc il ne faut pas que j'habite dans ce quartier, il ne faut pas que les habitants de ce quartier soient surpris par le non-changement des LED de cette portion de la rue du Maréchal Leclerc. Avant de voter, un complément de Philippe Bourdageau sur les bâtiments scolaires. Les bâtiments en général. Alors, effectivement, là où ont été présentés les principaux projets d'investissement pour l'année 2022, par contre, le plan d'investissement n'est pas... Vous n'avez pas vu l'ensemble du plan d'investissement. Il y a les plus petites actions qui, notamment, concernent des remplacements de radiateurs électriques. Dans un certain nombre de nos bâtiments, on a encore ce qu'on appelle des grille-pains, des convecteurs électriques, grille-pains, enfin les trucs qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années.
On ne va pas tous les remplacer cette année, mais par contre, on a un plan de remplacement de ces équipements en les remplaçant par des radiateurs, je dirais, nouvelle génération, qui consomment beaucoup moins, 30 à 40% de moins que ces radiateurs. Et on va également, notamment, on va poursuivre le ravalement de l'école élémentaire du centre. On a fait la partie théâtre l'année dernière. Et en même temps qu'on va ravaler, on va remplacer les menuiseries, qui sont des menuiseries avec simple vitrage, qui sont fuyardes, qui laissent passer l'air et qui ne permettent pas de bien chauffer le théâtre. Donc on va le remplacer par des menuiseries isolantes. Mais là, ce sont deux exemples que j'ai en tête. Le plan global, il représente plusieurs centaines, je dirais, de lignes. Dans toutes ces lignes, à chaque fois, on se pose la question, je dirais, des économies d'énergie qu'on peut réaliser. Mes chers collègues, bientôt 22h, je propose qu'on passe au vote. Heureusement, les points suivants devraient passer, être examinés plus rapidement. Mais là, c'était le budget, c'est le temps fort quand même, comme on dit habituellement. Donc, je mets aux voix le budget primitif 2022. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3 oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3. Il est adopté. Je vous en remercie encore une fois. Merci à l'ensemble des élus qui se sont investis, qui ont accepté des arbitrages pas toujours faciles, et au service de la ville. Point 5, le vote du budget primitif sur le marché Émile Bertrand. Alors, qui le présente? Claire Delpech, c'est rapide, je pense. Alors, très très bien. Donc, c'est un budget qui isole, comme son nom l'indique, les opérations concernant le marché Émile Bertrand. Quelques investissements sont réalisés cette année, notamment des achats de bâches, des travaux divers sur les sols et les murs. Peut-être que on pourrait y apporter des précisions. Et puis quelques travaux de sécurité. L'essentiel de ce budget étant équilibré par les droits de place et de redevance. S'agissant du marché, ajoutons que dans le budget, il y a une toute petite ligne d'études, mais qui annonce un investissement très original, très sympathique, à savoir une future arche indiquant rue Edmond Nocard, indiquant la présence de ce marché. Et donc je pense qu'il y aura autant d'avis que de membres du conseil municipal sur l'esthétique de cette future arche. Pour l'instant, on en est aux études de sol pour voir quel type de poids on peut supporter. Mais c'est vrai que ça sera une belle entrée pour de ville, hein, quelque part, pour Saint-Maurice, et une belle valorisation de ce marché pour tout le quartier. On y reviendra plus largement en 2023. Donc, pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ensuite, le budget annexe LEG Serge K. Alors, ce budget a été créé en 2019 afin de se conformer aux volontés de Serge Casse, qui désirait que sa succession soit affectée à des œuvres sociales. Donc, il y a là aussi un budget annexe pour prendre en charge cette succession. En 2022, le budget annexe va être utilisé dans le respect des dispositions testamentaire, et notamment pour financer l'achat d'un minibus à destination des personnes âgées, qui va être un équipement électrique, qui sera équipé de façon à, bien sûr, prendre en charge le déplacement de l'ensemble des personnes, y compris des personnes à mobilité réduite. Merci. Des observations? J'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point 7. Vote de l'état prévisionnel des recettes et dépenses, résidence de Presles, Serge K. Alors, je rappelle que c'est la résidence qui aujourd'hui accueille 5 familles de réfugiés ukrainiens. On va y venir dans quelques instants. D'accord. Alors là, il ne s'agit pas vraiment d'un budget annexe, mais d'un état des recettes et des dépenses prévisionnelles qu'on doit associer à la présentation budgétaire, et il est proposé aux membres du Conseil d'approuver cet état prévisionnel des dépenses et des recettes qui s'équilibre à hauteur de 236 428 euros. Merci Claire. Pas d'observation, je mets aux voix. Qui est contre? Une question ou un contre? Une suspension de séance? Non. Qu'est-ce qui te... Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, c'est adopté. Modification et création d'autorisation de programme et de crédit de paiement, ce qui est justifié pour les investissements qui s'étalent sur plus d'un exercice.
Alors ça, c'est intéressant. On est donc dans la technique budgétaire qui permet effectivement pour les gros projets d'investissement d'étaler sur plusieurs années et du coup d'en avoir une vision un peu prospective. L'AP, l'autorisation de programme correspondant à la totalité du montant, et le CP, le crédit de paiement, correspondant à ce qui va être dépensé dans l'année. 4 projets sont présentés en AP-CP. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces projets qu'on a déjà vus. La rénovation du conseil pour un total d'AP à hauteur de 4,3 millions d'euros. La réhabilitation de la crèche de la Troie pour une AP à hauteur d'1,5 million. Le réaménagement de la rue Jules Béclard, pour 100 000 euros. Et puis l'arche donc, qui vient d'être évoquée de la rue Edmond Nocard à hauteur de 125 millions d'euros. Donc, 125 000 euros. Voilà, j'en avais très envie. Merci Claire, c'est un petit bijou. Merci. Oui, exactement. En or massif. Ils le méritent, nos commerçants. Alors, est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je fais quand même un petit commentaire. Vous voyez, encore une fois, dans les émissions de télé, quand il y a des confrontations, c'est des véritables foires d'empoigne, etc. Et ça ne fait pas vraiment progresser. Voilà, là, des décisions importantes d'investissement avec l'approbation que nous avons travaillée. On s'est concerté et c'est voté à l'unanimité. Je trouve que c'est un climat spécifique à Saint-Maurice qui mérite d'être protégé et entretenu. Merci donc pour cette adoption. C'est aussi une marque d'exigence, bien sûr, de votre part, et on y reviendra. Point 9, attribution d'une subvention au CCAS de Saint-Maurice. Juste pour indiquer qu'elle va passer de 213 000 à 220 000 euros, c'est Tina Béatre, bien sûr, qui est en charge. Mais vous savez que l'utilisation de ces fonds relève du conseil d'administration du CCAS et n'est pas débattue en conseil municipal, mais les listes minoritaires y sont représentées. Est-ce qu'il y a des observations, Monsieur Grange? C'est juste en fait un petit commentaire pour dire que c'est en fait des séances très intéressantes en fait et très enrichissantes parce qu'en fait avec l'apport d'expertise d'associations en place, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Mauriciens et de Mauriciennes qui souffrent. Et c'est avec beaucoup de plaisir en fait de se rendre en fait à ces commissions sous la présidence de Christina Béatre. Juste un commentaire plus large et qui dépasse Saint-Maurice, c'est que je pense que collectivement on pourrait faire mieux, puisqu'en fait il y a des cas très compliqués qui mériteraient peut-être un traitement sur mesure avec l'appui de d'autres instances en collaboration avec la ville. Et je pense que là il y a peut-être en fait un sujet de travail de fond, que toutes les instances coopèrent plus et qu'on soit moins dans une logique de silo, qui n'est pas liée, hein, je veux dire, au fait de la ville de Saint-Maurice. Mais je pense que sur ces, comme il y a vraiment un traitement très précis sur des situations très compliquées, c'est vrai qu'un mode plus coopératif permettrait peut-être dans certains cas de trouver une solution plus rapide. Je vous remercie. Le débat aura lieu, je pense, au CCAS. Oui, peut-être une explication sur le vote. En fait, bon, l'attribution de la subvention au CCAS, c'est un peu la poule et l'œuf, à mesure où le conseil d'administration a lieu le 5 avril et qu'on arrête une subvention qui est pratiquement qui est structurante du budget du CCAS. D'une certaine manière, c'est sa principale recette. Donc voilà, peut-être parce que Tiffany va inaugurer sa première réunion du conseil d'administration, on a choisi de s'abstenir sur le montant de la subvention au CCAS. D'accord, c'est noté, le micro. Moi, je ferai juste un petit commentaire, parce que là, on aborde ces questions très sensibles, très humaines, par le prisme du montant de la subvention, mais derrière, c'est ce que j'ai dit aux bénévoles du Petit Plus lors de leur assemblée générale la semaine dernière, il y a toute cette dimension humaine, il y a tout cet accompagnement, cette écoute
qui ont, je pense, certainement autant de valeur que les euros qui sont déclinés derrière. Au petit plus, voilà, on avait fait un bilan, il y avait un bilan comptable, un bilan en fonction du nombre de tonnes de produits frais ou secs, etc., qui sont distribués. Mais ce qui compte quand on voit comment ça se passe, je rappelle que ça se passe le samedi matin, le panier de la semaine dans la salle Marcel Pagnol, à côté de la mairie, il y a la manière de recevoir les gens, de les considérer, de les soutenir, d'avoir un petit mot sympathique pour les encourager, sans être intrusif. Et ça, je pense que c'est une dimension irremplaçable et qu'on ne peut pas quantifier, évidemment. Donc merci à Tina, à Christine Arnoux, à Ariel Blanvin, toutes les équipes de la direction des solidarités. Je crois que les gens sont bien reçus à Saint-Maurice et je sais que ça va durer. Oui, on est une toute petite équipe, à vrai dire, et quand même, avec Ariel et puis Christine, on est quand même, il y a trois personnes et moi, donc on n'est pas grande. Et puis, je félicite toute l'équipe pour le travail et l'humanité avec laquelle elles exercent la fonction. Et je voulais juste dire à Mme Farley qu'il a dû certainement avoir loupé parce que vous étiez invitée pour le débat d'orientation budgétaire qui a lieu le 24 février. Je ne sais pas si vous avez bien reçu les documents ou pas, mais on va se rapprocher, on en discutera. Très bien. Merci. Donc je mets aux voix l'attribution de la subvention portée de 213 à 220 000 euros en 2022. Des oppositions ? Il n'y en a pas. Abstention 3. C'est adopté. Je vous en remercie. Alors, attribution des subventions aux associations, mon cher Cédric, qui ne va pas pouvoir les passer une par une, non, s'il en avait très envie. Bien sûr, surtout vu l'heure. En préambule, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une délibération fondamentale qui vous est soumise, car pour rappel, nos associations ont subi, à l'image de la population d'ailleurs, près de 2 ans de crise sanitaire, qui a lourdement limité leurs actions, leurs animations sur la ville. Alors, je considère qu'il faut les soutenir et participer à leur vie de façon synthétique. Ce que je peux vous indiquer, c'est la grande qualité des dossiers qui ont été déposés par les associations lors de leurs demandes. Et à ce titre, on a procédé avec les services de la ville, à savoir les relations publiques. Stéphanie Vittel et notre directeur des sports, Monsieur Rancy, à une étude approfondie de leurs demandes et l'utilisation qui est faite des dites subventions. De façon synthétique, vous observerez que celle-ci augmente légèrement par rapport à l'année passée de l'ordre de 12 000 euros, j'arrondis, en sachant que cette année, la spécificité, c'est notamment, et je parle sous le contrôle de Françoise Nolot, ma collègue, on a les musicales qui reprennent de façon traditionnelle leur activité, avec 3 soirs, si je ne m'abuse, qui sont prévus. Nous n'en avions qu'un seul soir l'année passée, du coup, nous avions versé uniquement 9 000 euros, et cette année, nous avons décidé de reverser 24 000 euros de façon traditionnelle. Voilà, donc j'ose espérer que vous approuverez cette délibération et que vous soutiendrez nos associations. Alors, il y a quelques autres subventions à des associations qui viendront plus tard dans l'ordre du jour, notamment sur proposition du Conseil municipal des enfants. Est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y a pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Alors, j'ai oublié de dire une chose importante, pardon. Les élus ici présents qui ont des liens directs ou indirects avec des associations, et notamment avec le président, le trésorier, le secrétaire, parce qu'eux-mêmes en font partie ou ils ont un conjoint, ne peuvent pas prendre part au vote. Voilà, je le rappelle, c'est une disposition qu'il faut respecter pour que la délibération soit conforme. Donc, je vais d'abord demander d'ailleurs quels sont les élus ici présents qui ne prennent pas part au vote, étant donné ces circonstances. Donc, Monsieur Bourdageau, Monsieur Budaxi, Damien, Magdalena, Moretti. Et maintenant, je peux mettre aux voix. Donc, opposition, il n'y en a pas. Abstention, 3. Oui, et donc c'est adopté. Alors je vais regrouper les points 11 et 12 concernant donc 3 subventions complémentaires versées dans le cadre du soutien aux organismes humanitaires qui interviennent dans la crise internationale actuelle. Je vais commencer en fait par le point 12. C'est le fonds de concours au FACECO, qui est un fonds d'action extérieure des collectivités territoriales créé par l'État, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui collecte les dons
notamment des collectivités, destinées au soutien apporté aux réfugiés ukrainiens qui sont dans les pays riverains et donc principalement en Pologne aujourd'hui. Donc il est proposé 5 000 euros. Deuxième subvention pour Emmaüs Solidarité France, qui est l'organisme qui intervient à l'hôtel Ibis Budget pour l'accompagnement, la prise en charge de 75 Ukrainiens, sachant que la ville elle-même est très active dans ce domaine. On a fait un point encore hier, je crois, avec Philippe Bourdageau sur la scolarisation d'un certain nombre de ces enfants. Il y a beaucoup de dimensions sur cet accompagnement. Et je salue l'extraordinaire travail d'Emmaüs Solidarité, qui apprécie beaucoup d'ailleurs la collaboration avec la ville de Saint-Maurice, puisque son directeur général, M. Bruno Morel, est venu vendredi spécialement à l'hôtel de ville pour nous remercier pour l'accueil, l'accompagnement et notre disponibilité. Et je remercie aussi Christian Cambon, qui n'est pas là aujourd'hui, et vous l'avez vu, qui vous suivez sur sa page Facebook, j'espère, très active et qui est donc très investi dans tout ce qui peut être fait, aussi bien offrir des jouets que collecter des produits de beauté avec tel partenaire, Nivea en l'occurrence, qu'on remercie, ou bien pour l'organisation d'une sortie au parc zoologique lundi, qui était très réussie, et Philippe avait pu se libérer pour les accompagner. Et vraiment, je pense que là aussi, au-delà des sommes, on voit l'importance de l'accompagnement, du soutien et la possibilité qu'ils ont de changer un peu les idées. Et on prendra d'autres initiatives, je pense, prochainement. Et donc, la dernière, ça, c'est 5 000 euros pour Emmaüs Solidarité et 500 euros pour Reporters sans frontières. C'est une subvention un peu symbolique, exceptionnelle, mais c'est pour montrer notre soutien à la défense d'une liberté à laquelle on tient énormément, la liberté de la presse. Je lisais là récemment que, avant son intervention en Ukraine et ce qui a suivi comme durcissement du régime du Kremlin, la Russie était classée 150e au classement des pays dans le classement de la liberté de la presse, 150e rang, avant même. Alors vous imaginez maintenant, je pense que c'est les derniers au monde. Donc voilà, on fait un petit signal, mais je pense... Là aussi, c'est important de manifester notre soutien à ces journalistes qui aussi risquent leur vie, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Donc, 500 euros pour Reporters sans frontières. Alors, on va faire des choses quand même dans l'ordre. Donc, première délibération, subvention de 500 euros pour Reporters sans frontières et 5000 euros à Emmaüs Solidarité France. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Point 12, 5 000 euros pour le fonds de concours mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pas d'observation, pas d'opposition. Nous nous étions concertés avant avec les élus minoritaires, donc c'est approuvé à l'unanimité. Je pense que le dialogue est nécessaire et que c'est très important de voter à l'unanimité ce genre de délibération. Donc un grand merci à tous. On rentre dans une disposition financière très très technique et spécifique. Point 13, mais c'est voilà la réglementation, on autorise le relevé de prescription pour une facture émise par les services funéraires de la ville de Paris pour 335 euros et 46 centimes. Claire Drian-Delpech. Vous voyez notre complicité intellectuelle qui est totale. Alors, je mets aux voix qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et maintenant, nous allons parler de l'exonération des indemnités de retard de l'entreprise Jardin Loisirs. Je ne dévoilerai pas le montant. Pardon. Et ça nécessite de passer cette délibération au conseil municipal pour un montant de 58 224,08 euros. Parfait. Les observations, j'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point 15, fixation du nombre de représentants au comité social territorial. Juste avant, je te remercie, ma chère Claire, pour ton investissement sur tous les sujets financiers. C'était la moitié de l'ordre du jour. À toi, mon cher Cédric.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, on est dans une allée électorale, ça je vais vous le rappeler. On a des élections professionnelles qui sont notamment fixées au 8 décembre 2022 et qui sont spécifiques cette année, puisqu'elles sont dans le cadre notamment de la loi de transformation de la fonction publique et d'un décret de 2021. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un peu spécifique, on aura une fusion du comité technique et du CHSCT. Le comité technique, lui, est remplacé par un comité social territorial et en son sein, on va trouver une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui, en fait, remplace le CHSCT, pour vous planter le décor. On est obligé, par rapport au fameux décret que je viens de vous citer de 2021, de fixer le nombre de représentants titulaires au sein de ces deux entités, à savoir qu'elles doivent être fixées entre 4 et 6. On s'est basé là-dessus sur l'effectif municipal de nos agents au 1er janvier 2022, qui était de 285 agents. On a eu une réunion avec nos partenaires sociaux, la direction générale et la direction des ressources humaines le 9 mars dernier, et les propositions qui en sont ressorties sont les suivantes, à savoir fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui du nombre de représentants du personnel, soit 5 représentants titulaires, et de recueillir l'avis des représentants, mais également de la collectivité, et donc si vous en êtes d'accord, on partirait sur ces bases dans le cadre des élections du 8 décembre prochain. C'est très clair. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? J'en vois pas. Je mets aux voix. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Point 16. Revalorisation des taux de prestation d'action sociale. Alors, de façon très rapide, effectivement, on vous propose d'approuver la revalorisation des taux de prestation d'action sociale au titre de l'année 2022, qui concerne notamment l'aide à la famille, les subventions pour les séjours d'enfants et l'aide aux parents d'enfants handicapés. Merci bien. Pas d'observation. Je mets aux voix. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Pascal Chêne, on change de domaine. Approbation des conventions d'objectifs et de financement concernant les établissements d'accueil du jeune enfant, nos crèches. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Alors en fait, c'est la convention territoriale globale et la continuité du... comment il s'appelle déjà, la convention enfance-jeunesse, pardon. Et donc, la convention enfance-jeunesse se termine le 31 décembre 2021, et donc, c'est la convention territoriale globale qui prend le relais. Alors, en fait, ça concerne tous les établissements petits enfants, donc les Dauphins, de la Croix familiale et Goéland. Voilà. Et donc... Ben, je suppose qu'il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Voilà. Très bonne idée. Pas d'observation. Je mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Philippe Bourdageau sur la participation familiale pour les séjours de vacances d'été. Oui, alors c'est une délibération habituelle qu'on vote tous les ans. C'est la fixation des participations des familles dans le cadre des séjours d'été. Séjour d'été qu'on peut espérer revenir à la normale à l'été 2022. On peut espérer également bénéficier, comme les deux années précédentes, des colos, ce qu'on appelle les colos apprenantes, qui ont permis aux enfants de Saint-Maurice de partir avec des conditions tarifaires très très intéressantes. En tout cas, là, ça permet de fixer la participation des familles en fonction des ressources. Hein. Donc, dans le cadre d'une grille de quotients familiaux qui est établie depuis maintenant 7 ou 8 ans et que nous allons retravailler dans le cadre d'un groupe de travail prochainement. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ces participations. Merci bien, cher Philippe. Pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition. Pas d'abstention. 3, 6 abstentions. C'est en attente de la révision des barèmes. Bien compris à l'issue de cette étude et de ce groupe de travail. Donc c'est adopté. On passe maintenant aux classes découvertes. Donc de la même façon, il s'agit d'une aide qui est attribuée aux enfants des écoles privées donc dans lesquelles les enfants de Saint-Maurice sont scolarisés. Il y a moins d'une dizaine d'enfants qui demandent à bénéficier effectivement de cette aide chaque année. Mais comme le point précédent, cette délibération fixe la participation des familles en fonction de leur quotient familial. Voilà.
suppose que ce sera le même vote. Donc, opposition, non. Abstention, 6, non. Je suppose, pour les questions de barème. Enfin, je ne veux pas vous inviter à vous abstenir si vous voulez voter pour. Hein. Mais bon. Je crois qu'il a voté contre. Alors là, on est sur les classes de découverte et d'environnement, point 19. On va voter comme d'habitude, de principe, sur l'attribution d'aide aux écoles privées. Donc on va voter contre, en fait. Voilà, non. Ah pardon, excusez-moi. Putain, là, je suis complètement bourré. Je crois que c'est le mot privé qui a changé la nature du vote. Ah d'accord. Point 19. Là, on est... Putain. On est au point 18, c'est ça ? Non, 19 maintenant, 19. Oui, c'est ça, donc le point 19, oui, on vote contre. Alors, donc, je recommence le vote. Point 19, vote contre. 3, abstention, il n'y en a pas, donc adopté. Maintenant, subvention à l'association de la Société protectrice des animaux, la SPA. Hélène Coupé. Oui, là j'ai 4 subventions imputées sur... l'enveloppe budgétaire réservée au CME, Conseil municipal des enfants, pour l'année 2022. Donc, monsieur le maire, chers collègues, le Conseil municipal d'enfants mène des actions régulières de sensibilisation à la protection et au bien-être des animaux, avec notamment des interventions de la SPA auprès des jeunes des accueils de loisirs. Les enfants du CME ont voulu prolonger cette action en offrant une subvention de 300 euros à l'association. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution à la SPA une subvention de 300 euros au titre de son soutien à la protection animale. Merci Hélène. Pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition, abstention, adopté à l'unanimité. Autre subvention, celle aux enfants de l'hôpital national de Saint-Maurice. Le CME est particulièrement proche des enfants qui sont soignés à l'hôpital de Saint-Maurice. Chaque année, il apporte joie et réconfort à ses enfants via la kermesse de l'hôpital et autres actions susceptibles de récolter de l'argent afin de leur offrir des jeux et autres cadeaux. En 2021, la pandémie a empêché toute action en faveur des petits malades. C'est pourquoi le CME désire attribuer une subvention de 200 euros aux enfants des hôpitaux par l'intermédiaire de l'association Les Amis du Pavillon B. Il vous est donc proposé d'approuver l'attribution de cette subvention. Belle initiative, pas d'observation. Je mets aux voix. Ah, monsieur Baruel. Moi, je trouve, quand je regarde ce qu'on a donné des associations, sur certaines associations précédentes, même si j'ai voté pour, je trouve que 200 euros, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Franchement, on pourrait quand même faire beaucoup mieux sur ce genre de sujet, alors qu'on donne 500 euros, 600 euros à des clubs de je sais pas trop quoi. Moi, je trouve que c'est quand même pas beaucoup, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous, mais les enfants ont mené une action également en juin. Ils ont récolté pas mal d'argent, justement, au profit. Mais vous avez entier, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Je suis d'accord avec notre vous. Notre subvention, voilà, 200 euros, franchement. C'est eux qui décident, ils votent. Ils votent, justement. Alors, on les incite, hein, bien sûr, à faire monter les enchères, c'est le cas de le dire. Mais ce sont eux qui déterminent la somme. Alors bon, on va espérer que cette année, ils vont revoter quelque chose. C'est noté. Et voilà. Maintenant, j'aurais je mets voulu... au voix quand même. Hein. Pas j'aurais voulu voir, faire non. Exactement la même d'accord. Position. Oui, on avait déjà fait la même remarque. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité, mais on retient les remarques sur oui, ce tout sujet. Fait. Point 22, troisième. Subvention à l'association WWF. France. Voilà, chers collègues, la préservation de l'environnement, la lutte pour le climat sont les chevaux de bataille des CME. Suite à l'organisation d'une journée de l'environnement en juin dernier, qui a mobilisé les forces vives pendant des mois, le CME a tenu à prolonger son travail en versant à WWF France une subvention de 300 euros au titre de son action en faveur de la planète. Chers collègues, il vous est donc proposé d'approuver l'attribution de cette subvention à WWF France, c'est-à-dire Fonds mondial pour la nature. Très bien. Pas d'observation. Je mets aux voix.
Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Maintenant, subvention à l'association Faune Alfort. Donc, même chose, la Faune Alfort se trouve à l'école vétérinaire. Cette fois, l'action du CME concerne la faune sauvage. L'association, qui comprend des étudiants vétérinaires et des bénévoles, recueille les animaux blessés, les soigne et les remet dans la nature lorsqu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes. C'est le cas de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux parmi ceux-là. On connaît mal, de façon générale, cette association qui travaille énormément. Les bénévoles, les vétérinaires font un travail colossal. Et là, ils envisagent de monter un hôpital à l'intérieur de l'école vétérinaire, une unité dédiée justement à ces animaux sauvages. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 300 euros à l'association Faune Alfort. Pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adoptée à l'unanimité. Alors la transition est bien faite. Tout à fait bien faite, puisque Pascal Chêne va présenter l'avenant numéro 1, la convention que nous avons déjà, sur la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés. Voilà. Alors, la convention qui a été signée, qui a été approuvée au Conseil municipal donc du 30 juin 2021, c'était une convention en fait qui courait pour 6 mois jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, en fait, là, comme la commune a décidé, si vous êtes d'accord, de continuer cette action d'identification et de stérilisation des chats sauvages. Donc, les 6 mois précédents, on a eu un problème de binôme pour le trapage des chats, et le vétérinaire avec lequel on avait décidé de travailler pendant ces 6 mois d'organisation du système, avait des tarifs un peu trop onéreux. Donc maintenant, on a changé de vétérinaire, sauf que, comme on n'a pu procéder à aucune identification ni stérilisation de chats sauvages, donc en fait, là, en principe, ce n'est pas une vraie convention qu'on vous demande d'approuver. C'est un avenant qu'on va faire. Voilà, c'est tout. Merci. Pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors je tiens, oui, Pascal, je tiens quand même à préciser pour les propriétaires de chats que si par hasard un chat était trappé, faut pas que les propriétaires se fassent du souci, parce que de toute façon, les chats qui sont trappés sont on vérifie systématiquement leur identité chez le vétérinaire. Donc si ce sont des chats de famille privée, on les relâche et puis voilà, c'est tout. Tant mieux pour eux. Merci. À quoi ça tient ? Attribution du prix Saint-Maurice Jeune. Hélène Coupé. Oui. Vous savez que la ville de Saint-Maurice décerne chaque année un prix spécial à un jeune mauricien qui s'est distingué dans le domaine scolaire, culturel, sportif, humanitaire, professionnel, qui s'est détaché par une action remarquable dans un de ces domaines, y compris la citoyenneté. La récompense du prix Saint-Maurice Jeune est de 360 euros. Elle sera remise au lauréat à l'occasion d'une réception organisée par la ville. Et là, je vous demande justement de regarder autour de vous, si vous voyez des jeunes susceptibles de candidater. Et nous en discuterons en commission dans ce cas-là. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une somme de 360 euros au lauréat du prix Saint-Maurice Jeune, année 2022. Merci. Sauf erreur de ma part, c'est un prix qui a été institué par Christian Cambon. Ah oui. Lorsqu'il est devenu maire en remplacement du prix de la Rosière. La Rosière. Ça date un peu, de bons souvenirs. Alors, est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adoptée à l'unanimité. Point 26, Françoise Nolo, sur la répartition de la subvention du département aux associations sportives locales. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, effectivement, chaque année, le conseil départemental verse une subvention aux associations sportives locales. Elle est de 5 722,80 euros en augmentation de 76,40 euros par rapport à l'année précédente. Il faut des conditions que vous avez tous lues pour avoir cette subvention. Il faut être situé dans le 94. Il faut un montant minimum fixé à 150 euros. Vous avez un tableau joint avec la répartition de ces subventions pour l'année
2022. Et la répartition, donc, s'est légèrement modifiée, mais on a distribué, on a réparti les 76,40 euros supplémentaires ou complémentaires. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la proposition de répartition de la subvention. Ce n'est pas... on vote pas, c'est juste une information. Voilà. Donc, merci. Voilà, je vous ai donné l'information. Comment ? On vote. Donc, des observations, il n'y en a pas. Je mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 27. Approbation de l'extension des licences d'entrepreneurs de spectacle de la ville de Saint-Maurice. Parlons culture. Alors, le TVO a déjà deux licences qui ont été votées les années précédentes. La licence d'exploitation, c'est-à-dire du lieu de spectacle, catégorie 1. Diffusion, catégorie 3, mais cette année, on rajoute la licence de production. Et cette licence est délivrée, ces licences sont délivrées pour 5 ans. Donc, cette licence de production qu'on rajoute est dans le cadre de la saison culturelle 2022-2023, pour une production qui a lieu avec la ville Saint-Maurice et le département du Val-de-Marne dans le cadre d'un concert qui s'appelle Festif Val-de-Marne et qui sera donc produit par Saint-Maurice et par le département en le 15 octobre de cette année. Donc, il est proposé... Je voudrais faire un petit commentaire, parce que ça, c'est une vraie innovation sur le plan culturel à Saint-Maurice, ou plutôt un retour à des bons souvenirs, c'est-à-dire que le département du Val-de-Marne organise avec 1 million d'euros de budget une grosse manifestation qui s'appelle le Festival de Marne. Saint-Maurice en a bénéficié, l'idée, c'est pendant cette quinzaine du mois d'octobre d'avoir des spectacles de chansons françaises, c'est dédié à la chanson française, simultanément dans plusieurs communes du Val-de-Marne. Saint-Maurice en a profité il y a longtemps, puis les liens se sont distendus, et pour tout dire, le département du Val-de-Marne était moins ouvert à la candidature de Saint-Maurice. Les choses ont changé, et j'ai fait acte de candidature pour la ville de Saint-Maurice en disant que ça serait bien, et que ça tourne en fait. C'est-à-dire que nous, on n'aura peut-être pas un spectacle chaque édition, mais il n'y a pas de raison de n'avoir jamais aucun spectacle dans ce cadre-là. Et puis nous avons deux salles qui s'y prête, le théâtre du Val-d'Aune, et c'est là que nous allons accueillir. Alors un artiste que je reconnais, que nous ne connaissions pas, mais qui me gagne à être connu, qui s'appelle Ours. Ours, alors on le présente comme le fils d'Alain Souchon, ce qui est vrai, mais surtout, il est un authentique interprète de qualité. Vous pouvez aller voir ses productions sur YouTube ou d'autres plateformes, et vous verrez qu'il a beaucoup de talent. Donc c'est un concert plutôt intimiste, et nous avons même ajouté une première partie, Françoise, qui nous était proposée. Donc ça fera vraiment une très bonne soirée. Et puis nous avons la salle de la Croix, où nous espérons un jour pouvoir accueillir lors d'une prochaine édition, un artiste permettant de mobiliser, là, du coup, plusieurs centaines, voire un millier de participants. Donc voilà, on recrée des liens, et moi, je me réjouis de cette collaboration qui conduit à cette délibération. Est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y en a pas. Ah, d'ailleurs, très belle saison 2022-2023, concoctée par Françoise Nolot, Loïc Poulain... Sébastien Béliard, Marjorie Guirandou, j'espère n'oublier personne. Non. Je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et nous en arrivons au point 28 sur la participation des associations culturelles pour la mise à disposition du TVO. Alors, en deux mots, je résume. On laisse à la disposition, en fin d'année scolaire, en juin, les associations de Saint-Maurice peuvent donner leur spectacle gratuitement au TVO. Deux jours sont gratuits, mais certaines associations, on va dire, ont abusé, ont demandé plus. Donc on a décidé, cette année, de tarifer les journées supplémentaires, c'est-à-dire il y a deux jours gratuits. Et l'association veut donner deux fois son spectacle, trois fois son spectacle, eh bien, c'est tarifé, c'est-à-dire elle paye
en supplément. 706 euros pour 3 services de 4 heures, c'est-à-dire ça va de 9h à 22h avec installation et répétition. 745 euros également pour à chaque fois c'est 4 heures, hein, parce que les répétitions et les installations comptent à peu près 4 heures, plus le coût de sécurisation en plus, et 490 euros pour 2 techniciens sur 2 services, toujours 4 heures, c'est-à-dire 9h, 8h, midi et 14h, 18h, avec installation et répétition, c'est-à-dire que les associations reçoivent une facture pour participer aux frais de la logistique, de l'organisation. Voilà. Merci. Des observations, il n'y en a pas. Je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant revenir sur un sujet qu'on a évoqué, c'est-à-dire les aménagements ou la rénovation complète de la cour primaire Gravel, qui nécessite l'approbation d'une convention dite du tour d'échelle entre la résidence des Rives-de-Marne et la ville de Saint-Maurice, Mike Budexy. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la ville a prévu le réaménagement de la cour de l'école de Gravel, donc située à côté de la place Montgolfier. L'opération a pour objectif d'offrir aux enfants un environnement plus adapté, moins minéral, agrémenté de jeux et d'espaces diversifiés. Donc, c'est un chantier qui se déroule en deux phases. La première phase a démarré, qui est le repérage donc technique et travaux préparatoires. Donc cette phase-là démarre au 1er février, qui aura lieu jusqu'au 30 juin. Et la deuxième phase, gros œuvre et finition, du 1er juillet au 30 septembre 2022. Donc ce sont pendant les congés des grandes vacances que ces aménagements de gros œuvre auront lieu. Alors, cette cour est extrêmement contrainte parce qu'elle ne dispose pas d'accès direct sur la voirie. Et nous avons fait des études avec des brouettes, hein, pour savoir si on pouvait accéder avec des brouettes, ça doublerait les montants et le temps. Et donc, il a été décidé, alors, et mettre une grue avec un bras, ce serait également très onéreux. Et nous sommes donc obligés de conclure une convention avec cette résidence, les Rives de la Marne, entre la ville et cette résidence. Alors, il y a une indemnité de passage, une servitude de passage, qui a été discutée avec la copropriété, le syndic, et M. Barbel, tout à l'heure, pour en dire un peu plus, puisqu'il habite dans cette résidence, a été un privilégié dans les négociations. Donc, c'est une indemnité 1 000 euros par mois, donc ce soit un total de 8 000 euros, avec donc cette indemnité, et la ville devra également souscrire une assurance couvrant l'ensemble des dégâts. Voilà, cette servitude de tour d'échelle est considérée comme pour une durée de 8 mois. Donc il vous est demandé d'approuver cette convention. Est-ce qu'il y a des observations? Moi j'en ferai deux quand même. Juste un point qui figure dans le rapport de présentation, à savoir que ça a été approuvé par l'Assemblée générale qui s'est réunie, extraordinaire, de la copropriété le 15 mars, on peut même préciser à 85%. Et puis je voudrais, au nom de la ville, adresser mes remerciements à Patrick Baruel, qui a joué un rôle de médiation, je dirais, à savoir qu'il a su et faire le plaidoyer des copropriétaires, en expliquant quelles étaient leurs préoccupations, à la fois sur les aspects techniques et financiers, concernant les nuisances inhérente à ce type de chantier, qu'on a du coup cherché à minimiser le plus possible, et je pense qu'on y est parvenu. Et puis ensuite, je pense que Patrick Barbel a su faire passer le message aussi auprès des copropriétaires que l'accord qui était proposé était équilibré, était justifié, et que tout ça se fait, je le rappelle, dans l'intérêt de nos enfants, des équipes enseignantes et de tous les personnels présents dans cette école, l'objectif numéro un étant la prise en compte des questions de sécurité, car le revêtement étant si dégradé, il y a régulièrement des incidents, des blessures, et il fallait de toute façon intervenir, et de toute façon il fallait refaire ce revêtement.
Il se trouve qu'on fait un projet beaucoup plus ambitieux qu'un simple remplacement de revêtement, mais ça se fera en juillet et août, et ça se fera aussi donc grâce au concours de cette copropriété que nous remercions dans son ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, donc rendez-vous à la rentrée, et j'espère 2-3 jours avant, pour être sûr que tout est bien achevé pour cette... On n'a malheureusement pas de visuel à vous présenter, fourni par le bureau d'études, mais vous verrez, c'est un projet sur lequel on reviendra qui est très ambitieux. Dernier point de l'ordre du jour, l'approbation de l'adhésion au CIGEF de l'EPT Grand Orly Seine-Bièvre. Mike Budek. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, en janvier 2021, la ville de Saint-Maurice avait été appelée à se prononcer sur l'adhésion de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, le CIGEF, au titre de la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d'électricité. Or, le service de l'égalité de la préfecture ont cependant estimé que le fondement du mécanisme dit de représentation-substitution retenu pour cette procédure d'adhésion était erroné. Donc, le CIGEF a fait droit de cette demande et a donc repris une délibération le 7 février 2022. Il vous est donc proposé cette nouvelle délibération pour que ce EPT Grand Orly Seine-Bièvre puisse adhérer au CIGEF. Si, pas d'observation, je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors, nous avons terminé l'ordre du jour. Juste 2 ou 3 petites communications concernant les 2 questions orales dont j'avais été destinataire. La première était posée par Tiffany Farley au nom du groupe Saint-Maurice en commun concernant les relations entre la ville et l'antenne des Restos du Cœur à Maison-Alfort. On a eu l'occasion d'avoir un échange juste avant le Conseil. Donc nous allons travailler sur ce sujet pour essayer de clarifier et d'améliorer ce qui doit l'être. Donc la question est retirée. Et concernant la question orale de Monsieur Patrick Baruel, le groupe Saint-Maurice Nouvel Élan, qui concernait la question de l'énergie, j'ai compris qu'elle était considérée comme traitée. Donc a priori, je ne reviens pas dessus. Oui, c'est ça, puisqu'on l'a traité pendant le budget. C'est simplement un complément. Beaucoup aujourd'hui de collectivités réfléchissent en effet pour améliorer cet aspect de l'énergie dans les mois qui viennent et par rapport aux coupures. Certains passent de passer au bois, etc., au niveau de certaines mairies. Moi, je reviens sur un élément que j'avais déjà abordé il y a un an, je crois. C'est sur le solaire. Aujourd'hui, on a la possibilité, et ça se développe de plus en plus au niveau des solaires, on a des entreprises qui ont des toits énormes, je parle de Veolia, je parle de etc. Je pense pas que le dossier ait avancé depuis que moi j'en ai parlé il y a à peu près un an. Moi je pense que c'est un élément important. On est dans le renouvelable. La géothermie, on a vu que c'était très compliqué sur Saint-Maurice. Donc il faut quand même réfléchir maintenant et ne pas attendre dans les années qui viennent où on va voir que le prix de l'électricité va augmenter fortement, le prix du gaz va augmenter fortement. Je pense qu'il y a des réflexions à mener maintenant et c'était l'objectif aussi de cette question-là, quoi. C'est quel est aujourd'hui l'objectif dans les 2, 3, 4 années qui viennent pour qu'on ne soit pas prisonnier de ce gaz, de cette électricité, etc. Voilà, donc c'est... Très bien, merci. Bon, ça a été ainsi exprimé. Avant de se quitter, je voulais vous dire que en termes d'actualité, on n'en a pas parlé, donc au mois d'avril, c'est important pour nous tous, la subvention que nous avons versée avec la ville de Charenton, dans le cadre d'un partenariat avec l'État et plus particulièrement la préfecture de police concernant les travaux de modernisation du commissariat de Charenton-Saint-Maurice. Donc ces travaux vont commencer en avril. Je rappelle qu'ils vont se traduire par la réalisation d'un double SAS, dont un SAS de sécurité. Et la ville de Saint-Maurice avec la ville de Charenton vont financer la rénovation complète du bureau d'accueil des victimes, voilà, pour lequel nous espérons avoir un intervenant social en commissariat. Il est financé, mais nous n'avons pas encore la personne candidate, celle qui était pressentie malheureusement
a renoncé au tout dernier moment. Et donc, je rappelle que ce poste est destiné à l'accompagnement des femmes maltraitées. Donc, c'est un poste à pourvoir. Voilà, et je voulais juste terminer par des remerciements par anticipation à l'égard de chacune et chacun d'entre vous, car nous allons aborder un sacré tour électoral avec 4 dimanches de rendez-vous électoraux. Donc vous serez mobilisés, je pense pratiquement les 4 dimanches, pour ces opérations électorales. C'est un lourd, mais c'est vraiment nécessaire. Et comme je le ferai dans mon éditorial à paraître, je pense que vous appellerez autour de vous à voter. On a une offre de choix, on a une offre variée, on peut dire, en termes de projets, de visions, de personnalités. Donc les gens devraient aller voter. Et c'est vrai que l'abstention doit être combattue, mais combattue par la conviction, hein, pas par d'autres mesures. En tout cas, il faut encourager les gens à aller voter, faciliter des démarches par des procurations, si on peut pas faire autrement. Et puis au soir du 10 avril, je pense que les supporters de 10 candidats sur 12 seront déçus. Forcément, donc je leur donne rendez-vous le vendredi 15 avril au Théâtre du Val-d'Aune pour aller voir Sandrine Saroche, parce que ça, ils passeront un excellent moment. Et vous verrez, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une personnalité très particulière, très drôle, on passera un excellent moment. Merci à vous et à très bientôt. Merci.